3. On va voir ça. Fuck. Et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-Baptiste. Ouais, bonjour. Nous sommes en direct chez Adobe France et nous sommes là pour une heure et demie. Ouais. Pour redécouvrir ton travail, savoir qui tu es, d'où tu viens. Et puis, si t'es très motivé, on va réussir à te faire dessiner un petit peu quand même. Ouais, ouais, on va voir. On a ouvert quelque chose. J'ai surtout des petits films. Alors, comme tout le monde, on fait des petits films, c'est mieux. C'est comme ça, on n'a pas dessiné derrière. Oh là là, mais j'ai quand même apporté mes brushes et tout ce qu'il faut. Donc, on peut très bien faire un petit bidule. Donc, c'est bien. On saura faire ça. Voilà. Donc, ça y est, tu vois, on est en train de passer. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois, notre session est une session qui a lieu en direct. Ça veut dire que si vous n'avez pas fait attention, il y a un chat là-bas en dessous qui va vous permettre de discuter avec nous, de nous poser vos questions. Je vois que Stéphane Baril est là pour faire la modération. Merci Stéphane, bonjour à tous. Bonjour à Daniel, Alain, Patrick, Proxim, Yao, Eric. Il y a plein de monde aujourd'hui, c'est plutôt chouette. Et aujourd'hui, tiens, on voit les cheveux de Margot, c'est très rigolo. Ah ça. Oui, bah Margot, voilà. on voit les cheveux de Margot sur le bas de la caméra. Daniel, Margot, nous dit, tu ne dois pas t'avancer plus. C'est un gros écran, oui, c'est un très gros écran. Là, on voit tes cheveux, Margot. Alors, si tu veux, tu peux le tourner. Tourne l'écran, comme ça, tu le verras pour de vrai. Ouais. Voilà, faut juste pas qu'il tombe, mais sinon, voilà. Et donc aujourd'hui pour ce live, eh bien, on va vous présenter donc tout son travail, la manière dont il fonctionne. On va parler de ta chaîne Patreon, ouais, Tipeee, ouais, et bientôt Drip aussi. Drip aussi, ouais. En plus. Oh là ouais, là, ouais. Ça en fait du monde. J'ai réussi à rentrer là-dedans. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, ben, on va peut-être commencer par faire un petit tour de ton horizon à toi, ouais. C'est-à-dire de d'où viennent tes... Ouais. D'où tu viens, ce que tu fais, etc., etc. Ouais, ouais. Simplement, j'ai commencé par la publicité. Alors, je ne suis pas resté longtemps. Hein. Je vais aller sur jeanbaptistemange.com. Ouais, je pense que ce sera plus... Mais en fait, il va falloir que je m'habitue, parce qu'on est passé, je suis passé maintenant depuis quelques minutes, sur un clavier QWERTY. Ok, d'accord, oui, c'est vrai, c'est de ma étrange. Faute. J'ai l'impression d'être à moitié handicapé sur ce c'est truc. C'est de ma faute, parce que je parle anglais comme une vache espagnole, mais par contre, je travaille qu'en anglais. Mais ça, c'est de la faute en général des tutoriaux. C'est ils ça. Sont qu'en anglais. Donc... Et là, pour le coup, on va être principalement en français, donc ça devrait ravir pas mal de monde. Alors, je vais partager notre écran, et comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu. Donc là, je suis passé sur ton Behance dans un premier temps. Ce qui permet de te présenter un petit peu, ouais, ou plutôt ouais, ton ouais. Site. Hein, non, le BN c'est vraiment bien, je pense. Le site, il faut qu'on travaille un peu. Et puis, ah bah ça, c'est il y a des galeries, mais c'est toujours en mouvement. Alors, je pense que le BN c'est assez représentatif de tout ce qu'on a fait là-dessus. Je vais poser une petite question à notre audience, puisque c'est la première fois qu'on te reçoit. C'est est-ce que qui ici découvre Jean-Baptiste et qui le connaît depuis longtemps? Ça peut être intéressant, parce que tu as sans doute des potes. Des oui. Fans, des gens qui suivent ton travail, qui ont lu tes livres, ouais, etc. Je vois qu'il y a David, justement, je disais, qui a fait l'école Pivot avec moi quand il y a un bon moment. Donc, il me salue JB, je lui dis salut David. Je vais le voir bientôt. Donc. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous inquiétez pas, en fait, quand vous nous posez une question, elle nous arrive 30 secondes après. Donc, on y répondra dans 30 secondes. Soyez patients. Hein, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a Stéphane à la modération. Je vois qu'il y a Cassis qui est présent ici, Cassis fan absolu, Alain ne connaît pas encore, David effectivement il a l'air de te connaître, ouais, Sébastien dit bonjour à Margot, bonjour Sébastien. Voilà, découverte complète. Alors découverte complète, du coup, ton ouais. Univers est très très féerique. Ouais, très, alors au départ ça démarre vraiment par tout ce qui est fées, lutins, gobelins. Mmh. Pendant presque une vingtaine d'années quand même, avec un éditeur en Bretagne. Ouais. Je refusais de venir à Paris, de faire quoi que ce soit à l'époque. Tu vois qu'on change. Oui, oui. Non, mais en fait, j'ai décidé à l'époque de faire ça dans une petite maison d'édition en Bretagne. Et puis, mmh. Ben, j'ai bien fait dans un sens, parce que ça m'a permis de faire uniquement ce que je voulais. Mmh. Donc, c'était vraiment pas mal. Donc, c'est vraiment là, c'est ce qu'on voit. Il y a du croquis, il y a les premières illustrations que j'ai faites pour mes premiers livres aussi. Donc, ça date un petit peu. Donc, ça date. 2002 hein, ouais, 2002. C'est, 2002, c'est un des premiers bouquins que je refais. Enfin, pas le premier, parce que j'en ai fait un en 96 ou 94. Ça, c'est le premier d'une petite série, vraiment sur les fées. On donnait deux carnets de croquis et puis deux livres vraiment sur la féerie. Mm-hmm. Et avant que je me mette à travailler vraiment tout seul en solo. D'accord.
Mais oui, j'ai travaillé 20 ans avec le même éditeur. J'avais commencé par la publicité, contrairement. Et Je ne sais pas s'il y a de la publicité dans ton Non, livre, il je n'y en pense a pas, pas. hein. Je pense Il n'y que en a c'est quelque vraiment pas chose que tu as. là-dedans. La publicité est revenue maintenant, Ouais. mais pas beaucoup, mais pour une boîte Psyop, donc qui est à Los Angeles. L'avantage de la publicité, c'est comme partout, c'est toujours les projets sont assez intéressants et puis un peu plus créatifs, on va dire, que beaucoup d'autres. Ouais, c'est-à-dire que Donc c'est c'est pas peut-être mal. moins passion, mais plus. Ouais, et puis Ouais. là, je suis quand même avec des gens qui sont vraiment passionnants. Donc D'accord. là, c'est vraiment cool. C'est pas une petite agence, et puis c'est les gens qui cherchent vraiment l'auteur qu'ils ont envie d'avoir avec eux. Donc ça, c'est vraiment bien. Après ça, j'ai fait vraiment de l'illustration. On a décidé de partir au Canada. En fait, on a décidé de partir parce qu'on avait prévu autre chose. On avait prévu la Nouvelle-Zélande, Ouais. puisque Guillermo del Toro devait diriger Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, pas Le Seigneur des Anneaux. Et puis on avait des bons amis là-bas, dont Paul Tobin et puis d'autres, et qui nous avaient dit, bah, si ça se fait, venez donc, quoi. On avait, comment, je ne sais plus le nom du très bon ami de Guillermo qui fait toutes ses pépettes. Donc David. David Marty, voilà, David ouais, et Martin. qui m'avait dit, bah, si tu veux, on pourrait te présenter là-bas. Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton de la clim, juste là, ouais, celui tout à droite? Merci. On va avoir un petit peu plus chaud, mais je pense que ce sera vachement plus sympa pour vos oreilles à Ouais, tous. c'est vrai. Alors, Et donc il y a eu ça en fait. On a failli partir en Nouvelle-Zélande, puis Guillermo a pas eu le projet, et donc ça s'est pas fait. Donc on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On avait tout prévu, et on est parti au Canada. Le Canada D'accord. étant une des destinations que j'avais en tête depuis longtemps. Proche des États-Unis, Amérique du Nord, on s'est dit, ben, là-bas on va pouvoir un peu travailler. Et puis je suis arrivé là-bas, j'ai bossé pour une boîte française, bizarrement, qui était Spider à l'époque, pour leur faire D'accord. comment c'était sur le jeu Avalon. C'était sur Ils Avalon, ouais, avaient, ouais, Avalon, je l'ai vu ils ont passer, ouais, travaillé j'ai sur mes cru. designs. Voilà. Et ils avaient travaillé sur mes designs avant, puis on a retravaillé avec eux. Là, c'était vraiment super cool. C'était vraiment une belle équipe. Ils étaient vraiment marrants. Après, le rendu 3D, bah, à l'époque, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui, donc c'était peut-être un peu plus délicat. Mais vraiment, le projet était chouette, avec vraiment des gens bien. Et D'accord. puis ça a relancé, juste avant je venais de faire Sony, alors Sony Pictures c'est celui-là, là, C'est lequel? Celui-là. celui-ci. Donc, Hop. ok. Donc ça c'était Sony, c'est vraiment mon premier contrat avec des Américains. Et j'ai vraiment cru un joke parce qu'ils m'ont appelé au téléphone, déjà je parlais très mal l'anglais. Et puis oui, c'est Sony Picture Animation. Il m'a dit, ouais, c'est un copain qui me fait une blague à la con. Donc j'ai On pas n'y pris croit ça jamais dans ces très au cas-là. sérieux, mais à la fois ils avaient l'air quand même assez sûrs d'eux. Je me suis dit, bon, just in case, j'ai présenté mes trucs. Et puis j'ai bossé, je crois, 6 mois ou un truc comme ça avec Ah eux. oui, quand même. Ouais. Et ça a vraiment été un projet qui était marrant, passionnant. Alors Bobby Chu a travaillé dessus. On était 9 artistes à travailler dessus, mais personne ne savait qui travaillait sur quoi. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment compartimenté à mort. C'est très Donc en compartimenté, ouais. fait, j'ai su, moi, 10 ans après, quasiment, que Bobby Chu avait travaillé dessus. D'accord. Et j'ai vu ces images que je n'avais pas vues avant. Et bon, on avait un directeur artistique qui était vraiment cool là-dessus. Donc on se marrait bien. Et manque de peau, ben, ça n'a pas donné. C'est resté D'accord, c'est dans resté le dans tiroir. le. Ouais. Ouais. Juste en mode projet. Et du coup, par contre, t'as pu sortir les images, ce qui est quand même rare sur ce genre Ben, en fait, de Sony est vraiment sujet. étonnant parce que je leur ai demandé. Et puis en fait, ça n'a pas posé de problème du tout. Comme le projet n'avait pas été plus loin, ben, ils se sont dit non, non, au contraire, allez-y. Alors j'ai pas le droit évidemment d'éditer quelque chose Ouais, avec. bien sûr, Et ouais. si je veux le mettre dans un livre, il faut que je leur demande. Mais ils ont vraiment été très cool. Tu peux au moins présenter ton travail et Voilà, ton portfolio, ce qui est quand même le minimum pour un artiste, ouais. Et puis alors voir. c'est vraiment les premiers trucs que j'ai fait, donc c'est du concept et du chara-design, mais c'est pas ce qu'on a l'habitude, excusez-moi, de voir d'habitude. Ouais, Parce carrément. que c'est. En fait, j'étais pas très cartoon à l'époque. Je commençais vraiment, donc c'est plus de l'illustration un peu, mais que du crayonné. Donc ça fait partie du projet aussi, il y avait pas mal de trucs. Et c'est ma première Cintiq quasiment. D'accord. J'ai payé ma Cintiq avec ce projet-là. Du coup, Donc. tu bossais sur quoi avant? T'étais que en tradi? Que tradi, Que du tradi, vraiment. donc du Tradi, et papier, en fait, aquarelle, de Photoshop me l'encre. servait à faire mes montages de livres et c'est tout. Donc c'est vraiment, je sais plus quelle date c'est, hein, ce projet-là, mais. Celui-ci, il date de 2009, Voilà, visiblement. donc ben, 2009, j'achète ma première Cintiq, qui est une 21UX, là, et je commence à comprendre un peu comment ça marche vraiment, Photoshop, hormis le mock-up et puis les trucs comme Ouais. ça.
Ouais, Je faisais parce que une le, étude. tous les livres dont tu nous parlais tout à l'heure, que tu avais édité au début, c'était des livres que tu Que du avais traditionnel. que du Ah ouais. tradit. Tout Et ça, toi, c'est gouache, aquarelle, huile de temps en temps. donc ça veut dire qu'il C'est. existe plein d'originaux de tout ça? Ouais, il y en a beaucoup qui ont été vendus. Alors, il y a eu la Galerie Maguen qui en a vendu pas mal, et puis j'en ai réservé moi d'autres. Maintenant, j'ai mes collectionneurs, et puis de temps en temps, bah, j'en vends une. C'est assez rare. Hein. Mais la dernière que j'ai vendue, c'était Guillermo del Toro, donc c'était plutôt chouette. Ah oui, c'est sympa ça. C'est Ouais, bonjour, vraiment bien. ça vient de quoi ce truc sur ton mur et tout? C'est très bien entouré, hein, parce qu'il y a du Rackham, il y a des modernes aussi, enfin il y a de tout. L'exposition est incroyable, juste incroyable. Là, on a Captionity qui dit, tiens, on dirait des Korrigans aussi. Oui, moi, j'ai un très bon ami Pascal qui dessine des korrigans depuis des années en Bretagne, qui était mon voisin de palier, on va dire, pratiquement. Donc effectivement, mais de toute façon, c'est issu des légendes celtiques, donc moi c'est ce qui m'a bercé pendant tout ce temps. C'est sûr que ça se retrouvait, même dans un projet pour Sony, ça s'est retrouvé beaucoup. Mais c'est marrant parce qu'ils m'ont appelé justement parce qu'ils connaissaient mon travail. Ils avaient mes bouquins et puis ils cherchaient quelqu'un qui ait une ligne qui soit pas une ligne américaine classique, pas du Ouais, Disney en gros. Parce c'est que j'avais ça. commencé à essayer de leur faire du Disney et tout. Ils m'ont dit non, 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 c'est pas du tout ce qu'on veut. Stop, On on est veut venu te chercher vraiment, pour ça, tu pour fais ce que tu sais faire et puis voilà. Ah, c'est chouette. Donc j'ai vraiment démarré avec ça. Et c'est eux qui m'ont donné le goût de faire du car design en fait. Alors ça, c'est un autre projet qu'on avait fait. Là, c'est pas moi qui ai fait les designs au départ du géant. Moi, j'ai juste fait les textures et les trucs comme ça Texture, par-dessus. mise en Tu couleur. vois, et puis après les habits, les petits bidules comme ça. Oh, je me rappelle, c'était pour Jack the Giant Killer, c'est celui-là. Ouais. The Giant Slayer. Giant Slayer, ouais, c'est ça. Le truc sur les designs était particulier parce qu'il fallait que je travaille avec des légumes, alors. Effectivement. C'était vraiment très space. Et alors, si on continue. Si on continue après dans la logique, en fait, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là, on commence à arriver Ouais. En sur fait, après, l'équipe. les autres projets sont des projets vraiment animation. Donc ces projets-là, on ne les verra pas parce que de toute façon, il n'y en a qu'un qui est sorti, c'est Ballerina. Je ne suis D'accord. même pas sûr que j'ai un dossier sur Ballerina là-dedans. Est-ce qu'il y en aurait un J'en sur ai ton à site? ArtStation. Ah, sur Sur ArtStation? ArtStation, j'en ai Alors, est-ce que tu as un un petit lien peu. vers ArtStation sur ton site? Est-ce que c'est dans Contact? Est-ce que c'est dans About? Il n'y a Non, pas de il n'y a lien pas sur de, y a pas de lien. ArtStation, Dis donc, mais qu'est-ce non. que tu es élégant sur toutes ces photos en plus? Ouais, alors ça, c'est un ami qui nous avait fait des photos rigolotes. C'était pas mal. Alors, ok, est-ce que je cherche un ArtStation de JB Monge ou pas? Ouais, je pense que tu Hop. dois pouvoir le trouver. Il ne va pas non plus y avoir des masses de trucs, mais. ArtStation, c'est super dur à écrire parce qu'il y a beaucoup de A. Ouais. Voilà. Voilà, ouais, bah tu vois. Bon, bah là, donc, on doit les avoir classés, je pense, par dossier. Ballerina doit être en haut, je pense. Hop. Ça doit être Ballerinas. ça, je pense que ça doit être ça. Donc ça, Je c'est du sais pas. chara-design que tu as fait Voilà, sur le... ouais. Ah, super. Donc ça, c'est à l'époque, je m'occupais de la 3D. Alors, je n'étais pas tout seul, il y avait toute une équipe derrière, mais c'est quand même moi qui finalisais les personnages. Et puis, après, bah, je faisais une peinture dans Photoshop par-dessus. Donc là, c'est vraiment peint. Ça, c'est les designs que j'ai faits. En général, on me refilait un base mesh, et puis je travaillais sur le base mesh. On a fait D'accord. la Statue de la Liberté. Ils n'ont même pas gardé le visage, je crois, d'ailleurs. Parce qu'il a trouvé trop triste, ma Statue de la Liberté. Bon, il était libre, il avait le droit d'être triste. Et voilà. Et puis tu vois, il y a eu quelques designs en crayonné, mais j'en ai pas fait beaucoup, parce qu'à l'époque, ils avaient déjà à Paris une boîte qui s'occupait de faire les designs. D'accord. Mais sauf qu'ils étaient incapables de les reproduire en 3D. Donc en fait, quand on m'a appelé, c'est parce qu'ils n'étaient pas foutus de faire leur design en 3D. Ouais, ce qui est pas toujours simple Non, en en fait, fait c'était pas de... simple parce qu'ils avaient choisi quelque chose d'extrêmement cartoon et les réalisateurs voulaient quelque chose d'un peu plus réaliste. Donc il a fallu faire le lien en fait entre ces deux trucs. Ouais, tout Et à fait. ils m'ont vraiment appelé pour ça, pour essayer de leur sortir cette épingle du pied. Et on s'est bien amusé D'accord. là-dedans. Un directeur artistique, là, Florent Mazurel, qui est devenu un très bon copain. Et donc, on a bien travaillé là-dessus avec lui. Ouais, c'est vrai qu'il y a énormément de contenu. Je voyais tout à l'heure en remontant dans le Beyond que tu commences à parler beaucoup de ton Patreon et ton Tipeee. Ouais. Je pense que c'est peut-être l'occasion d'en toucher un mot Ouais, c'est à vrai. Film Speed. Bah, en fait, moi, j'ai fait ça parce que je suis aperçu que je vendais quelques vidéos sur Gumroad, des machins, que je n'en vendais pas non plus des masses. Mais c'est vrai que je filme tout ce que je fais. Je me suis dit qu'il fallait bien que ça serve quand même à quelque chose que de rester simplement chez moi. Donc Bien j'ai sûr. commencé à ouvrir un petit Patreon, j'ai mis en ligne.
On s'est fait pirater par Yves Parti à un moment, donc on a eu des problèmes. Il Ah a ouais. fallu que j'enlève toutes les vidéos, qu'on trouve un système pour mettre les vidéos, mais sans que les gens puissent les avoir comme ça. Sympa. Donc on est toujours en train de chercher la bonne solution. Ouais. Mais cela dit, il y a ouais, une trentaine de vidéos, je pense, à peu près. Alors en français, bien sûr. Il y en a quelques-unes qu'on a traduites, mais Alors c'est quand même très long. tu parles pendant que tu dessines, c'est ça? Ouais. Comment on y accède de ton site? Je suis un Alors, peu nul sur ça. comment on y accède de mon site pour Patreon? Ouais. Je n'en ai Ah, aucune idée. bah C'est si, Margot qui l'a il y monté, a donc la je pense que Join ça My doit être ça. Patreon Ouais. Community et soutenez-moi sur Tipeee, Ouais, voilà. voilà. Donc, Margot a mis deux beaux boutons. c'est ça. Elle n'en est pas Les venue. contenus sont équivalents de l'un sur l'un et l'autre. Bon. Il y a une petite différence, c'est que ils ont des contenus sur Tipeee maintenant qui sont vraiment récents. C'est vraiment les derniers. Alors j'ai mis aussi sur Patreon, mais eux sont directement en français, donc ils ont vraiment. Ouais. J'ai juste le montage à faire et puis ça arrive chez eux direct. Directement, alors qu'en anglais, tu refais une traduction derrière? On commence à faire des trads, mais c'est vraiment très long. Donc Ah je oui. refais surtout des montages pour adapter un peu, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes publics. Alors là c'est tout récent, donc je dois avoir 16 ou 17 tipeurs. Il n'y en a pas encore beaucoup. Et Oui. puis c'est quand même particulier parce que j'ai des gens qui viennent, d'ailleurs il faut vraiment que je fasse un sondage là-dessus, parce que j'ai des gens qui viennent parce qu'ils connaissent mon travail, qui veulent juste me soutenir. Et puis il y a quand même des gens qui viennent pour apprendre quelque chose, si tu veux. C'est Donc ça, ouais, réussir à ça. savoir qui est là juste pour la pour Voilà, c'est plus dur pour moi. Moi, je fais juste mes vidéos, je suis super contente d'en discuter, d'en bavarder. J'aime vraiment bien qu'on me pose des questions. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément d'interaction. Ils viennent pas forcément pour ça. Mais du coup, Donc, il y en a plus sur Patreon pour l'instant. J'ai beaucoup d'interactions. Sur Tipeee, j'ai réussi quand même à faire un petit groupe Facebook. Et les gens qui D'accord, sont donc sur ce tu petit groupe Facebook peux sont vraiment échanger. des gens qui ont envie d'échanger autour de l'artistique, vraiment, de mon travail, mais aussi de ce qu'ils font eux, personnellement, tu vois. Alors, je sais que comme tu es venu avec ton disque dur, on a même Oui, quelques oui, vidéos, oui, comme ça on pourrait peut-être présenter un oui. petit peu Ouais. le contenu. Ouais. Hop, on va se mettre Alors, là-dessus. pap, on va aller sur, par exemple, Alors, Tyrion, on l'avait pas. il réfléchit. Il a pas aimé que je le passe en anglais Ouais. ce matin, ça lui a fait tout drôle. Vas-y, donc tu me disais Tyrion? On a Tyrion parce que j'avais tapé tout à l'heure. Hop, New Complete. Par exemple, tu vois, c'est une vidéo qui doit faire, hein, si elle Qui se met. fait. Alors, au bout, il me dit 4 secondes, mais ça doit pas être Non, ça ça. doit pas être ça. On va lui C'est, demander de ouais, cliquer. je Voilà, pense qu'il faut. 1h20. 1h20, celle-là. Bah, c'est parce qu'elle est accélérée. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est de les décélérer maintenant parce que j'ai trop accéléré certaines. Et du coup, Parce on que je voit peux plus pas les parler traits. dessus, puis on voit pas assez. Mais bizarrement, ce qu'on m'a dit, c'est que je vais le faire, mais il faut aussi que j'en garde des très accélérés parce que les gens, au bout de 10 minutes, Il décroche. ils décrochent. C'est Et moi, une vidéo d'une heure et demie où je parle, quand je parle sur une vidéo, je fais que ça, je fais que parler. C'est vraiment long pour les gens, en fait, je m'aperçois. Et du coup, tu fais ton commentaire Je vais faire mon commentaire en après, direct. Ouais. pendant que tu Ben, dessines? en général, ouais. Là, je l'ai enlevé parce qu'il fallait que je refasse un montage dessus et puis il fallait que je redynamise un peu la vidéo parce Bien que sûr. je racontais des trucs. Mais quelquefois, quand tu es sur le coup du truc, tu pars dans des digressions quelquefois et puis tu t'aperçois que tu es hors de ton sujet. Carrément. Donc, je suis obligé de revenir de temps en temps. Donc là, tu vois, c'était juste le sketch. C'est vraiment la mise en gros, je vais commencer par un sketch. Je vais voir si le sketch me plaît, je vais réduire, je vais faire le corps ensuite. Là, c'était ben, c'est simple, c'était de faire la caricature comment il De s'appelle, Tyrion Tyrion Lannister. Lannister, et de l'acteur surtout. Je ne me rappelle plus de son nom, le pauvre. Alors, je suis très, très, très nul. Peter Dinklage, voilà, en plus le Merci. nom est C'est assez vrai, dur. alors, ce que tu nous as dit que tu as Non, demandé Margot est Margot vraiment parce mon qu'elle cerveau. elle te servait de cerveau. Ouais, Margot est mon cerveau. Et là, tu vois, ben, j'attaque le petit rough, en fait, qui va me servir à raconter l'histoire que je veux raconter à ce moment-là. Les roughs, je les fais pas souvent directement sur la tablette. J'avoue que c'est souvent sur papier. Je les scanne après et je les déforme après. Je rejoue avec. Je vais rajouter des traits, rajouter des trucs. Mais c'est vrai que c'est souvent, en fait, je pars d'un dessin papier. Ouais. Je trouve, bah, à la fois les outils sont tellement bons maintenant que sketch ou pas sketch, tu vois plus la différence. Moi, j'ai fait mes brushes, pas toutes. Hein, celle-là, c'est une brush que j'ai dû repiquer à un autre artiste. Mais j'ai aussi fait tout mon lot de brushes, en gros, vraiment pour peindre. Il y a vraiment des trucs sympas à faire. Et tu arrives à retrouver le rendu crayon, le rendu aquarelle, Ouais, ouais, mais alors, les après, matières. il y a des trucs qui sont compliqués. Si tu as un rendu qui est trop aquarelle, tu travailles vraiment d'une façon aquarelle sur Photoshop. Et ça peut devenir gênant parce que là, il faut créer des masques, se servir énormément du lasso, tu vois.
faire des choses que tu ferais pas si tu travaillais réellement à Ouais, c'est l'aquarelle. ça. Donc en fait, c'est une aquarelle qui ressemble à de l'aquarelle, mais c'est pas la même façon de travailler l'aquarelle Avec le tradi, que le bien sûr. tradi. Ouais, évidemment. Par contre, le résultat est époustouflant. J'ai essayé les broches d'Alex Ducal, là, il n'y a pas très longtemps. Le résultat est juste ouf, quoi. On dirait une gouache, le truc. Ouais, c'est ça. J'ai montré à des amis, c'est « Ah, t'as fait une gouache, c'est sympa. » Non, non, c'est pas une Non, non, gouache, c'est vraiment c'est pas une gouache, c'est vraiment ouais, que du vraiment numérique. numérique. Et puis, c'est que du Photoshop, quoi. C'est pas... Donc là, on peut en épater plus d'un avec ça. Ouais, c'est clair. Bon, là, j'accélère un tout petit peu, hein, Ouais, vaut mieux, parce parce que que c'est long. non, ça nous permet un peu d'avancer, justement. Tu parles de la mise en couleur et tout. Là, on doit justement choisir, préparer des matières, préparer de la petite Ouais. brosse. Et alors, pour ceux qui connaissent pas à l'intérieur de Photoshop, selon le type de brosse que tu utilises, soit on voit juste le petit tampon tel qu'il est là, soit on voit ce qu'il y avait juste un tout petit peu avant, on voyait la pression directement du stylet là où tu étais en train de dessiner. J'arrive plus à le retrouver ici, là. Ouais. En fait, ça dépend de ce que je vais vouloir Ouais. voir aussi. Ça dépend si j'utilise un tool ou si j'utilise une broche à ce moment-là. Ouais, là, tout ce que tu avais mis sur l'aérographe, hop, on voit directement la hauteur à laquelle tu es en train d'appuyer, quoi. Et alors, du coup, quand tu es chez toi, est-ce que tu as genre un stylet Wacom ou tu en as plein de différents Non, j'ai vraiment le stylet classique, je dois avoir celui-là, tu vois. Ouais. J'ai eu longtemps un espèce de truc façon un peu, pas l'aérographe, mais l'autre, le marqueur. Ouais. J'en servais pas en fait. C'est vraiment D'accord. bizarre. Je pense que je me sers. En fait, je travaille tellement mon Photoshop comme je travaillerais en traditionnel. Si tu veux que j'ai pas. Le pinceau change pas beaucoup. Ouais. Tu vois. À la Ah. limite, c'est pas très grave pour moi. C'est pas. D'accord. Non, C'est c'est sûr sûr. que si on avait le choix entre vraiment un pinceau plat ou quelque chose, je pense que j'arriverais sans doute à m'en servir. Alors, je vois que pendant ce temps-là, Stéphane continue d'échanger avec vous. Il nous reparle de la tour Eiffel, il vous a redonné, donc on vous mettra tout à l'heure. On va se copier-coller régulièrement toutes les adresses qui ont été partagées par Stéphane pour que vous puissiez retrouver alors le Patreon pour ceux qui sont plutôt en anglais, le Tipeee pour ceux qui sont en français, les rendus des différents visuels qu'on était en train de regarder, et puis toute la partie, bah là il y a les brosses d'Alex Ducal. Toi, t'as partagé certaines de tes brosses ou c'est des trucs que Ouais, alors tu. moi, en fait, j'ai un petit set sur. Je partage que les broches, d'abord, soyons bien clairs, je ne partage que les broches que j'ai créées. Oui, Donc, bien je ne vais sûr. pas partager celles des copains ou celles que j'ai reprises sur le web. Donc, moi, je partageais en fait les broches que j'avais faites pour faire de l'huile vraiment sous Photoshop. C'est assez. Mais ça demande un petit travail parce qu'il faut. C'est des broches qui sont setées avec les deux couleurs. Donc, tu Ouais. travailles vraiment avec les deux couleurs. Donc, ça demande une petite habitude au départ. Mais je les partage régulièrement dans Patreon, j'en offre une broche, deux broches, trois broches. D'accord, comme ça les gens peuvent Bah, essayer, peuvent s'y s'exercer par essayer, et rapport puis, à. parce que c'est vraiment des broches qu'il faut utiliser, et puis utiliser à sa propre manière, si tu veux. Ah bah de toute façon, on sait bien que c'est pas l'outil qui fait Non, l'artiste non, et non, que c'est c'est plutôt vraiment, le temps que tu tu dois passes. modeler en fait tes outils en fonction de ton choix à toi, et puis des choix que tu vas faire, tu vois. Donc c'est vraiment important. Alors il y a des petites questions qui arrivent, c'est ça qui est chouette. Il y a David qui demande, est-ce que tu crées un environnement de travail précis avec tes broches favorites? Est-ce que tu te perds pas parfois dans tous les paramètres? Ouais, alors en fait, bah, je ne suis pas quelqu'un de très organisé là-dessus. Donc en fait, je charge mes brushes, j'en ai beaucoup, et puis je vais me servir des six premières ou des six qui sont au début, et puis je sais en général laquelle va être utile. Par contre, je les mets dans les tool presets, et là, comme elles apparaissent vraiment par leur nom, Ouais, c'est plus c'est facile beaucoup pour plus toi de. facile pour moi d'aller chercher celles que je veux. Donc je me sers beaucoup des tool presets, je me sers beaucoup des actions aussi pour en fait les tâches répétitives, les trucs comme ça. Donc ça, je m'en sers pas mal. À l'époque, je n'ai pas dû m'en servir forcément beaucoup. Là, Mais. on doit y utiliser ouais, tout ce qui était fluidité, la Ouais. Tu couleur. vois, Liquify, fluidité, toutes les filtres ou les modes de fusion, j'en utilise beaucoup. Je vais faire beaucoup d'essais. Je ne les retiens pas forcément, d'ailleurs. Ouais, tout ce qui est mode de fusion, je serai à part Divide, où je sais vraiment à quoi il me sert. Les autres, c'est plus, j'y vais un peu. Me dis, tiens, ce serait peut-être bien de le faire ici, ce serait peut-être bien d'essayer ça. Mais c'est plus de la recherche. C'est vraiment, en fait, tu travailles comme en traditionnel. Tu te laisses aller, puis tu fais un truc, et tu vois si ça passe, si ça passe pas. Alors, il y a Guillaume qui dit justement, d'ailleurs, il y a aussi toutes les broches de Kyle Webster qui sont arrivées sur Photoshop. Je sais pas si tu as eu l'occasion de jouer avec. Si, je les ai toutes achetées, moi. J'ai Kyle, j'ai Gutbrush, j'ai Ouais. Alex Ducal. J'ai tout acheté, donc... Alors, tu les as toutes achetées, mais tu as vu Kyle Webster, maintenant, il faisait partie d'Adobe.
qui l'avait embauché. Okay. Ils l'ont embauché et maintenant tous les utilisateurs du Creative Cloud ont accès à l'ensemble de ces brosses. Mmh. Alors, il a envoyé un message à tous les gens qui avaient déjà acheté des brosses en disant je vous aime beaucoup et je suis désolé pour tous ceux qui ont qui sont engagés dessus. Je suis très content, à la limite, ça l'a soutenu pendant longtemps quand les gens achetaient ces brushes. Ça a permis justement qu'il arrive dans Adobe, et je pense que c'est important d'avoir des gars qui savent développer vraiment des brushes. Ouais, et puis qui s'en servent. Et qui s'en servent. Parce que c'est pas juste utiliser l'outil pour. Non. Surtout qu'il faut, pour ça, il faut savoir s'en servir aussi. Tu peux pas créer une brush et dire voilà, moi j'ai fait des brushes aquarelles. Mais si tu ne sais pas faire d'aquarelle au départ, tes brushes n'auront jamais l'intérêt pour l'illustrateur qu'il y a derrière. Donc, Tout à fait. Et alors, le petit truc et astuce que je donne aux utilisateurs quand on va justement sur les brushes de Kyle Webster, c'est d'aller sur son site de kylebrush.com. Ouais. Parce que sur le site de Kyle Brush, alors effectivement, il y a encore une partie FAQ pour retrouver justement toutes les questions. Voilà, maintenant il a joint Adobe, etc. Mais surtout, tout en bas de cette très très longue page, il y a tous les cheat sheets de ces brosses pour pouvoir les retrouver. Et c'est vraiment pour moi la partie vraiment cool. Parce que dans ce dossier-là, on va retrouver tous ces marqueurs, on va retrouver tous ces half tones, etc. Ouais. On va retrouver toutes les brosses qu'il a. Ouais, mais de toute façon, ce dossier était super bien fait. C'est vrai que c'est. Moi, quand j'ai fait mes petites brushes, tu vois, je me suis justement inspiré de la façon dont ils faisaient leur dossier pour arriver à être clair. Mmh. Sauf que ça fait des années qu'ils travaillent dessus, donc ils sont vraiment super clairs là-dessus. Ouais, j'ai vraiment apprécié ces brushes, j'ai vraiment apprécié celle d'Alex aussi, parce que c'est vraiment des brushes de gars qui sont des vrais graphistes au départ. Donc c'est Godbrush pareil, hein, il a eu des trucs hallucinants aussi. Donc tout à fait. Pas que je bouge trop avec cette chaise, j'ai l'impression qu'on entend un petit clic. Ouais, alors il y a des gens qui me disent ton micro saccade un petit peu, mais je t'avoue que je vais pas pouvoir rebrancher les câbles aujourd'hui. Ouais, donc, non, j'espère que ça va passer. Je bouge pas mal en fait. Ah, c'est peut-être ça qu'ils veulent dire. Ok. Ouais, bon, ne bouge pas trop la tête. Reste scotché. Voilà. Tiens, là, on voyait que j'utilisais Divide, tu vois, justement. Mmh. Ah bah tiens. Je l'utilise justement avec les gradients. Mmh. J'utilise le gradient qui est gradient radial, je crois. Mmh. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, c'est toi qui es. Ah, c'est peut-être moi, il doit être en touch. Ah, j'en ai une touch à la maison, je m'en sers jamais. Hein. Ah, c'est dommage, un petit message à Wacom, ça ne marche pas bien. Mais ça ne marche pas bien quand on ne sait pas s'en servir. Hein. Non, ça ne marche pas bien, même chez moi. Et je sais très bien me servir de leur bon Dieu de Wacom. Est-ce que tu nous ferais du dessin en live ou est-ce que faire un petit machin. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une couleur. On va juste à la limite. On va petite couleur sur un top. Truc. Faut t'avouer, il faut que j'ai quand même le micro dans le nez, donc il faudra m'excuser. Est-ce que tu veux qu'on replace le micro ? Non, ça va aller. C'est juste que j'ai pas. Alors les pareils, j'ai pas mes raccourcis et je suis habitué maintenant moi à la petite Wacom avec le petit bidule. Autour, donc. Avec les express keys. Donc voilà, ouais. Donc tu vois, là. Dessus, là, je vais avoir la main qui va partir, et puis je ne saurais pas où je vais. Plop, plop. Bon, c'est pas grave. Il y a Guillaume qui demande si Goodbrush, c'était Craig Mullins. Lequel ? Goodbrush, est-ce que c'était Craig Mullins ? Goodbrush ? Non, Goodbrush. Non, c'est pas Craig Mullins du tout. C'est Anastasie quelque chose. Ah, c'est Anastasie qui avait fait ça, qui avait fait le panneau aussi de Magic Picker. Ouais, exact. Mais c'est, non, Goodbrush, c'est pas Anastasie. Hein. C'est Margot qui dit ça, mais non, je crois pas que ce soit ça. Non, c'est un gars qui a développé vraiment ses brushes. C'est un mec très très sympa, vraiment très sympa, qui a fait des trucs vraiment très intéressants. Après, je me suis aperçu qu'Alex Ducal en avait fait aussi un peu dans le même genre, mais ça n'a rien à voir avec Greg Mullins. Je ne connais pas Greg Mullins. Il doit être très gentil. Je ne sais pas s'il n'était pas sur Yamag l'année dernière ou l'année d'avant. Ouais. L'année dernière, je ne pense pas, parce qu'on y était, et puis je m'en rappellerai. Mais l'année d'avant, je pense, ça se pourrait. Donc voilà, donc en gros, quand je fais ça, moi, je vais utiliser, tu vois, beaucoup les gradients pour démarrer. Top. Bon, il arrive aussi que j'utilise une photo pour savoir où je vais. Top. On va faire un multiply, on va faire des petits gradients, et puis ici, on va... Je vais commencer, hop, là, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça se perd. Nikolai, voilà, c'est ça. Ça, c'est Godbrush. Pourquoi Nicolas, ça se perd, Nikolai pour Godbrush. Est-ce qu'il y a un truc qui est encore tactile dessus ? Non, je pense pas, okay. Écoute. Bon, écoute, c'est pas grave. Bon, tant pis. Hop, non, c'est pas celui-là. Il est passé, voilà. Donc après, je les utilise souvent avec ça, tu vois, c'est... On va faire des... Hein, il est trop gros.
Qu'est-ce qu'il me fout ici? Je suis pas chez moi, ça se T'es voit. pas... Ouais, ça... Je vois même pas où est la taille de mon pinceau. Où est la foutue taille de mon pinceau ici? Pourquoi je la vois pas? Alors, je vois des questions qui se, que je, auxquelles je vais répondre parce que Stéphane y répond en Ouais. direct. Alors, nouveauté, et ça c'est assez intéressant pour nous sur tout ce qui est masterclass, les lives. Donc, vous savez que sur la chaîne Adobe France, il y a un petit bouton Ah, subscribe c'est mieux. pour pouvoir revenir avec nous de temps en temps. Et depuis pas longtemps, maintenant, tous vos commentaires restent dans le chat. Donc, on peut les revoir en direct, sauf ceux qu'on a supprimés si vous dites trop de bêtises. C'est pour ça qu'on a des modérateurs. Il y a de la censure, quoi. Il y a Monsieur CKC qui demande à Paris AMAG et ce masterclass, est-ce qu'il y aura d'autres événements où Monsieur Monge interviendra dans Paris? Ben non, pas en tout Non. cas avant un En petit tout cas, moment. rien de prévu. Non, Alors, rien de prévu. du coup, Monsieur CKC, il Ah, faut il y vous a un truc débrouiller pour qui venir. s'ouvre. Il y a un truc qui s'ouvre à Ah chaque oui, fois que il y je a des fous ma main ici. notifications dont on n'a pas Voilà, besoin et je ne sais voilà. pas comment le dire. Bon, c'est pas grave, elles vont s'ouvrir, puis elles vont disparaître, elles vont revenir. Et il n'arrête pas de bouger. Mais ça nous permet de connaître les cours de la bourse et d'autres trucs que j'aurais laissés dessus. Ok, d'accord. Voilà. Les Ouais, cours bon, bah, de voilà. la bourse, du Dow Super. Jones et de l'action Apple. Bon, Ça en va pas fait, bien les aujourd'hui. raccourcis ne marchent pas, j'ai l'impression quand même. Parce Il y que a tu vois, j'ai quelqu'un fait sur un YouTube? petit contrôle D. Ah, bah si, c'est peut-être à C'est cause quoi? du petit machin. Mais si, si, il m'a viré mon truc sur mon calque. Ça va être bordélique, hein. Entre les cours de la bourse et le reste, C'est ça, on va ça va essayer pas de être faire. facile. Alors, j'ai vraiment l'impression que mes raccourcis marchent pas. Parce que là, tu vois, je suis. On est bien en anglais, ouais. Ouais, mais. Il colle les Et trucs. moi je suis sur les raccourcis basiques, hein, donc il n'y a pas de. Ouais. Je sais pas s'il y a des Peut-être. raccourcis qui sont à adapter ou des trucs comme ça. Non, mais en fait, j'ai peut-être moi, chez moi. Parce que ah Ah, oui. t'as peut-être un. Ah, il y a ça aussi. Tu veux Je qu'on n'ai calibre le pas. crayon? Ben, en fait, j'ai pas mis mon stylet. Ouais, normalement, c'est. Mais je me rappelle plus comment j'ai. Je dois avoir mes préférences, quelque Ah, bah vous part. allez pouvoir voir en direct une calibration de stylet Wacom, ça fait toujours du bien. Ouais, ben alors, il m'aurait fallu la Alors petite attends. tablette aussi. On va mettre les petites préférences de Wacom. Système préférence, Wacom tablette. Voilà. Est-ce que c'est celle-ci? Oui. Ouais. Calibration. Voilà. Donc pour ceux qui n'avaient jamais assisté à une calibration de Wacom, ça va se faire comme ça. C'est parti. Alors en fait, ce que je vais surtout aller faire après, c'est voilà, bon, ça c'est Voilà. facile. Ça. Puisque là, c'est facile, faut rester à peu près dans le centre C'est et ça. on fait OK. Et normalement, ce sera déjà on sera déjà mieux. Voilà. Et ensuite, voilà, c'est celui-là. Alors, il faut juste que j'aille le chercher parce que je me rappelle plus si c'est double clic. Right click, je ne sais plus si c'est right click. Mais je l'ai peut-être quelque part. Attends. Alors c'est rigolo parce que pendant ce temps-là, il y a ton ami Ouais. David Tessier qui disait, mais ce serait bien quand même que Adobe fasse un outil pour pouvoir dessiner quelque chose qui imite un peu le traditionnel. Et tout le monde lui a répondu, mais il y a déjà Ah Photoshop et il y a déjà les brosses. oui. Donc David, c'est un vieux pote de l'école de dessin, c'est ça? Ouais. Donc qui a pas réutilisé Photoshop depuis Je l'époque. ne sais pas s'il a beaucoup utilisé Photoshop, David, c'est vrai, je ne vais pas demander, j'avoue. Voilà. Mais bon, attends, je vais voir si ça marche déjà, je suis même pas sûr. Non, j'ai dû me planter dans le raccourci. En fait, il faut juste que j'ai. C'est pas comme chez moi. Alors moi, Contrôle je suis. tab. Pour avoir la petite fenêtre, contrôle La petite tab, fenêtre c'est de ça. quoi? Voilà, non, c'est pas ça. Tu veux la petite fenêtre de quoi? Bon, celle qu'on avait tout à l'heure. Ah, tiens, je vais te la remettre là. Ouais. Ah non, tu l'as fermée. Hop, Ah, voilà, on va la je l'ai chercher. fermé. Système préférence et Voilà, la Wacom petite table. tablème. Ah, C'est c'est bien. celle-là que t'aimes bien. Voilà, en fait, c'est juste qu'il faudrait que je retrouve. Alors, en fait, on va peut-être. Je voudrais mon disque dur ensuite. Je suis chiant, hein, mais il est derrière. Je vais aller chercher derrière. Derrière. Voilà, on va aller chercher derrière. T'as tout là J'ai derrière dû et amener dedans mes t'as ramené tes préférences. préférences. Voilà, je pense que j'ai mes préférences Ah. Wacom. Je Si vois j'ai un été préférence malin. juste en dessous. Où ça? Il y a Wacom Prefs Ah, juste. voilà, super. Voilà. Donc, tiens, ben là. Et alors la grande question c'est Le est-ce. truc, c'est que, est-ce qu'on va pouvoir le mettre on va voir. Est-ce que tu as accès à l'autre, en fait, à À l'autre. celui qui nous mêle les préférences, en Celui-ci? général? Comme tablette préférence? Non, il nous m'emmène Non, dessus. il faut qu'on ait accès. Il y en a un, en fait, où tu peux downloader ou uploader tes préférences, ou carrément juste les mettre. Parce que j'ai C'est dans un. Wacom. C'est dans Wacom, pas dans Wacom Ouais, non, tablette. c'est l'application et Wacom, c'est. Alors on va. Hop! Wacom Desktop Center. Ouais, voilà. C'est Et celui-là que là, tu veux? on va avoir dans Bucket, voilà, Backup juste ça. settings. Et puis il va pouvoir nous demander, on va. From your local backup. Ça ressemble à ça, non? Ouais, ça se voit. Alors attends, D'accord, restore image. restore. Est-ce Et que on va c'est aller restauré? chercher sur Ouais, je ton pense que disque c'est ça. dur. Dans quoi? Dans Yaman. JBI AMAG. Ouais. Voilà. Et voilà. Wacom Pref. Normalement, ça devrait marcher.
Ben, on devrait être un petit peu mieux là. Ouais, On je vais devrait être peut-être un un petit peu peu mieux mieux. me débrouiller avec ce foutu stylet. Non, mais ça, c'est le décalage horaire. Ouais, non, j'ai pas dormi, il faut dire. Mais ça Hop. sert toujours d'excuse, de toute façon. C'est toujours une excellente Quand on est excuse. mauvais, il faut bien le dire, c'est le décalage horaire. Voilà, essaye. Alors, on va voir. Ah, c'est Oupla! mieux Oh, c'est là. 10 fois mieux. C'est Et tout de là, suite, faut... on sent tout de plus suite, l'artiste. on sent le travail derrière. Alors, je sais pas ce qu'il fout, mais. Alors, est-ce que ça Attends, va bah mieux? non, ça va marcher, j'ai l'impression. Parce que normalement, tu vois, là, quand je clique, ou alors c'est moi qui ai merdé entre les deux, si je pourrais. Quand je clique, normalement, j'aurais dû avoir. Bah voilà, il est resté. C'est, en fait, on a chargé les préférences, mais comme je les avais transformées ici, je pense que je l'ai dans le. Donc, il faut juste que je me souvienne De comment on appelle les clics de si c'est mon right-click que je mets devant, et et si ton c'est middle click middle-click derrière. derrière, ce qui Ah. se pourrait bien. Mais quand je travaille, je ne bouge jamais. Lequel est Alt en fait dans ce foutu petit bidule? Ah, mais tu peux demander d'avoir un modifier si tu veux. En fait, il me faudrait Alt sur le Ah, premier. mais dis, voilà, il faut nous dire ce que tu veux. Oui, je ne sais jamais ce que je veux avant de l'avoir. Hop. C'est un problème. Ouais, je dirais que je suis un tyran pour Ça va être Margot. Ouais, tout. de la masterpa class. Alors Ouais. toi tu veux en bas tu veux le modifier de middle click, c'est ça? De alt click. Ouais, Alt. Hop, click, on veut du alt option. Voilà. Option. Et t'as pas Voilà. besoin de click particulier, hein? Non, je pense pas. Et puis l'autre, je me rappelle même plus si c'est middle click que j'utilise, mais je pense que c'est right click quand même ici. Alors dans ce cas-là, celui-ci on va lui mettre un Voilà. right click. Je pense que c'est ça. Ok, on va fermer ce Mais c'est truc. vrai que j'ouvre jamais ce truc-là. Donc, Oups, pardon. par contre, je sais pas pourquoi il nous fait Ça, ça c'est à moi. chaque fois. C'est Ouais, parce que j'ai ok. cliqué C'est parce que toi, avec. t'as. Ah, yeah, ça Sans va être. cliquer sans aucune Voilà. subtilité. Ok. Ça va Voilà. déjà. Alors, est-ce que ça marche mieux? Ouais, ça marche mieux, c'est sûr. Alors, je vois des questions. Alors, je Bon, remonte. après, lequel c'était pour réduire ma brush dans les petits boutons sur le côté? Non. Not no. Je pense qu'il faut que je dise not no. Je sais pas du tout ce que vous avez c'était avec celui-là. Si elle doit être Rien, en juste. fait. Déjà, on a trouvé le touch off. Tu vas être content. Ouais. Ouais, ça sera déjà bien. Mais ouais, par contre, il fait pas les tailles. Bon, on va les faire là, c'est pas grave. Mais les tailles, On a le moi, j'ai temps. fait avec contrôle et Oui, right c'est click. vrai. C'est juste comme ça. Contrôle Attends, A. c'est pourtant anglais celui-là? Commande, contrôle. Ouais, Oui. shit. Voilà. Ouais, Droite et mais. gauche et haut et bas. Ouais, voilà, c'est bien. Voilà. Et pour une raison qui m'échappe, on voit Il n'y a pas. pas le rouge. Ouais, ça par C'est contre, c'est étonnant. perturbant. Ça c'est nouveau, mais bon. Ouais, c'est perturbant parce que d'habitude, on voit bah, Ouais, si on d'habitude, on est. voit exactement la brosse. Ouais. Bon, Alors. bah, écoute, c'est pas grave. Le choix, il y a Yvan qui nous disait que tout à l'heure, le choix des couleurs pour le visage était impressionnant. Quand on parlait de Tyrion Lannister, pas quand on essaye de Ouais, faire des portraits rouges, là où voilà, pour l'instant c'est peu ouais. concluant quand Non, et puis vraiment, même. je suis très embêté sur certains trucs, mais c'est pas grave. Par contre, il nous disait, tiens, est-ce que tu te sers encore de photos de référence pour choisir, ou est-ce que c'est tout au talent pour Non, choisir tes en couleurs? fait, ça dépend de ce que je vais faire, mais c'est vrai que ça peut très bien être photo de référence, ça peut très bien être. Ah ben, je me demandais aussi, tiens, d'ailleurs, pendant qu'on en parle, pourquoi je n'ai pas ma petite color palette, voilà, ce sera mieux. Parce qu'en fait, voilà, moi, je Là, tu déstructure travailles avec tes tout, couleurs là-bas dans donc le coin. tout est dans le coin, tout est un peu bordélique chez moi, voilà, Ouais, ce ça sera va être plus beaucoup mieux comme simple pour ça. aller piocher des teintes. Ouais, une fois que j'ai ma palette sur le personnage, c'est plus grave. Donc la question c'était, parce Alors, qu'on la en est question, parti un c'était est-ce peu. que tu te sers encore de photos de référence pour choisir tes couleurs? Ouais, en fait, j'utilise quand même pas mal de photos références. Mmh. Pour les têtes, tout ce qui est visage et machin, non, pas plus que ça. D'accord. Ou alors, je veux un éclairage très précis. Mmh. Si je veux un éclairage très précis, je vais aller chercher dans les images cinéma ou des trucs comme ça, et puis là, je vais vraiment travailler à partir de ça. Mais autrement, non, j'ai tendance à force d'en avoir fait, je sais à peu près où je vais et puis ce que je vais pouvoir mettre. Et comment tu vas pouvoir mélanger, quelles vont être les ambiances que tu développes. Et puis je suppose aussi que quand tu travailles sur une série, tu as aussi ta gamme de couleurs par rapport à cette série spécifiquement. Pas plus que ça en fait. C'est, je pense, j'utilise souvent les mêmes couleurs. Faut être honnête. C'est que ce soit pour un visage ou pour un, j'utilise vraiment la même chose. Donc, à force vraiment, on sait. Tu vois, il y a souvent une rim light qui va être bleue ici. Je vais mettre sur le côté. Bon, bah, on va. Il y a des trucs que tu fais tellement en fait que ça en devient une habitude. Ouais, ça devient du Ouais. mécanique dessus. Ouais. Alors Stéphane nous rappelle aussi, hein, si jamais vous voulez retrouver les brushes de Kyle Webster, vous irez dans le menu du panneau Form, donc brush en anglais,
et vous demanderez obtenir plus de formes si vous avez besoin de les récupérer, et ça vous permettra d'aller sur une page Adobe dédiée et qui vous permet d'avoir accès à tout ça et de retrouver beaucoup plus facilement, de retrouver l'ensemble des brushes dont on a donné les feuilles de trucs et astuces tout à l'heure, les cheat sheets qui nous permettent de bosser là-dessus. Donc, est-ce qu'ils les mettent en brush ou en tout le preset d'ailleurs? Les deux. Ouais, parce que moi j'aime bien les avoir, par exemple pour Kai, j'aime bien les avoir en tout le preset, par exemple. Ça évite de charger mes brushes aussi, et puis ça permet d'avoir un accès différent avec tes brushes, donc tu mélanges pas au moins. Je crois que c'est principalement de la brush, mais je sais qu'il y avait aussi des tout le presets qui étaient arrivés comme ça. Ouais. Il y a Stéphane qui nous précise d'ailleurs que sur IAMAG, il nous montrera une astuce pour rapidement tester les brosses, et donc il nous fait un bon teasing sur ce qui va être donné à IAMAG. Parce que cette année, donc pour ceux qui connaissent pas IAMAG, c'est un événement qui a lieu pendant 3 jours et qui rassemble la crème de l'illustration, de l'animation, du VFX, du jeu vidéo, avec pas mal d'intervenants, et notamment JB hein, qui est avec nous. Et pendant cette session, il y a aussi un espace sur lequel on va avoir une deuxième série de présentations, de masterclass, qui seront données par Adobe, par Wacom et autres, pour présenter les outils, puis pour vous faire un petit peu envie, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on est capable de faire avec tout ça. Et ça va être assez chouette. Donc Stéphane va nous faire du teaser, nous a fait un petit teaser sur les prochaines brosses. Cool. Donc voilà, je continue de remonter tout doucement. Est-ce que, comme Samson, vos pouvoirs se cachent dans les cheveux? Demande ça. Pendant longtemps, j'étais quasi chauve. C'est ça. Hein, ouais, j'ai juste fait une greffe. T'es un bon espoir pour tous les chauves qui nous regardent. Ouais. Non, j'ai coupé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Puis j'ai laissé pour gagner du temps le matin. Ouais. Je les ai eu longs, hein, plus jeune, alors ça doit être ça. C'est la crise de la quarantaine. Tellement de choses qu'on s'y perd parfois dans Photoshop. Peut-être avoir une possibilité de personnaliser encore plus l'environnement de travail, demande David. Bah oui, on peut faire des environnements de travail personnalisés. Ouais, ça c'est vrai. Bah, normalement, j'en ai un, moi. J'ai vraiment un environnement painting pour ce que je fais. Et je m'y tiens, parce qu'en général, c'est... il change tous les ans, parce que je vais adapter des petits trucs. Mais c'est vrai que tu vois, pour mettre mes actions, pour... quand normalement tu sors de chez toi et tu peux retrouver ton environnement de travail, c'est quand même pas mal. Là, j'ai juste amené les tool presets ici. C'est ça. J'ai toutes mes brushes ici. Donc c'est déjà pas mal. Et puis d'ailleurs, j'ai les miennes aussi, des brushes comme ça, des petits machins, des fans, des trucs un peu rigolos. Ou des brushes à texture vraiment. Tout le monde. C'est rigolote. C'est ça. Tout le monde a repéré qu'il fallait que tout à l'heure que tu ailles sur le alt-click droit pour la taille du pinceau. Ils s'en sont bien rendus compte. Ouais, mais c'est vrai que je suis plus habitué, moi, à ça. J'ai mon petit truc sur le côté. Et puis, en plus, j'ai fait il n'y a pas longtemps, parce que c'est un des tips que j'ai donné dans Patreon. Mais tu vois, je suis incapable de m'en rappeler à chaque fois. Donc, tu veux qu'on t'abonne à ton Patreon et qu'on regarde la vidéo? Pas bête. On peut faire ça aussi. Alors, il y a Monsieur CKC qui est super déçu parce que les billets IAMAX sont épuisés, malheureusement. Ah. Et oui, ça arrive. Mais voilà, restez. Restez, on discutera de l'épuisement des billets IAMAG de peut-être tout à l'heure, si peut-être. Vous êtes sage. Je pense que je donne des indices assez clairs sur ce qui pourrait arriver. Ouais, c'est quand même déjà pas mal, ouais, c'est vrai. Trader dans son temps libre, ouais, c'est ça. Donc ça, c'était quand tu faisais afficher les presets sur le côté. Oui. Double clic sur le. C'est de ma faute. Hein, maintenant, tout le monde va savoir que tu joues en bourse et que. Il faut que tu ajoutes Photoshop ou Wacom. Ouais, double clic sur les fichiers de préf, on est bon. À l'opposé, J'ai souvenir que sur le Kickstarter de Celtic Fairies, il y avait aussi une sortie prochaine en français. Est-ce que c'est encore d'actualité? Oui, ouais, mais alors il y a beaucoup de choses qui sont passées avec notre Kickstarter, parce que on a quand même eu des problèmes d'impression en Chine. Bon, c'est pas parce que c'est la Chine, hein, c'est juste parce que on a eu des problèmes d'impression et que ça arrive à tout le monde. Et que, malheureusement, on est reparti pour une nouvelle impression. D'accord. Donc, Et uniquement sur la version française ou sur... Non, sur la version anglaise, malheureusement. C'est pour ça que la version française, on n'est peut-être pas prêt de l'avoir tout de suite. Aïe. Mais il a vraiment fallu, pour des problèmes techniques, qu'on reprenne l'impression. Ouais, parce que moi, j'ai lu un petit peu que tu en avais sur Kickstarter, sur Indiegogo, sur... Et que t'as...
J'ai vu un message qui disait sur Indiegogo, mais vous nous parlez pas, nanana, qu'est-ce qui se passe? Alors Ouais. que tu donnais plein d'infos sur Kickstarter, Ouais, et c'est juste que les gens n'avaient pas les bons canaux, puis finalement ça fait un boulot de chargé de com à plein temps et de. Ma Margot fait que ça, hein. Vraiment, elle fait que ça. Et c'est compliqué parce que c'est quelque chose qu'on avait bien préparé, vraiment, ça avait vraiment été bien préparé, puis c'est une mauvaise surprise, ça arrive. On avait quand même beaucoup de cartons à ouvrir, on n'a pas tout ouvert malheureusement. Ah ouais. On a fait confiance à notre bonne étoile et puis notre bonne étoile nous a un peu lâchés. Ah mince, Donc, vous avez ouvert une paire de cartons, c'était nickel. Et bah on en a ouvert quand même, on a eu 400 bouquins qui étaient quand même pas mal, si tu veux. Mais qu'avec des petits trucs sur certains, alors on se demandait, donc on les a checkés. Mais checkés un par un, ça prend, ah bah oui, tu m'étonnes, ça prend 20-25 minutes par livre. Parce quoi. Que c'est un énorme. Combien de pages déjà 200 pages et quelques. C'est ça. On a vraiment checké chaque livre. Donc tous les livres qui ont été envoyés sont des livres qui sont bons. Mais par contre, à un moment, nous, on pensait qu'on allait revenir dans le, tu vois, dans le good, quoi. On s'est dit, c'est pas possible qu'on ait une déveine à ce point-là. Et puis, ben, on a eu une belle déveine, c'est que, en fait, au bout de 400 bouquins, ben, on n'en trouvait plus qui étaient vraiment valables. Si tu veux. Donc, on a été obligé d'arrêter. On s'est dit, là, on peut pas se permettre ça. Donc, on a commencé à redealer vraiment avec l'imprimeur, on a redealé avec la personne qui s'occupe de notre dossier. Et je pense que ça devrait être en cours et ça devrait donner quelque chose de bien pour les gens qui sont derrière. De toute façon, on les livrera, il n'y a pas de souci. Non, mais après, je pense que c'est juste que c'est long. Pour nous, c'est vraiment ennuyeux parce que ben, on avait promis quelque chose et puis on reprend du retard encore. Mais c'est la vie. Je suis tellement habitué à mes petits bidules sur le côté que je suis un peu paumé. Tu veux qu'on reprenne quelques minutes pour les remettre en place? On peut. Hein, mais je pense, ouais, c'est juste ça là. Mais en fait, c'est juste la taille. Ça doit. Mais la taille, tu peux pas l'avoir par derrière. Voilà, c'est ça. Il fallait. T'as le tough strip derrière qui doit. Ah, mais c'est vieux ça. Ouh là là. Mais oui, tu te rappelles de ça? Voilà. Ah yeah. Ah, c'est bon. J'ai compris. Ça marchait bien ça. Oui, non, ça marchait très bien d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il l'a enlevé parce qu'en fait, je me sers. Pas tellement. Mais bon. Y avait plus ah, de place ça va aller mieux. Ah, voilà. C'est déjà plus cool. Donc, alors pour ceux qui se demandent ce qui vient de se passer, je suis pas sûr que sur la caméra vous voyez sa main. Non, parce que c'est tout petit. Tenez, je vais vous mettre sa main en grand. Quand il a besoin de changer la taille de son pinceau, on peut voir que ses doigts là, de les la main gauche. Les petits doigts boudinés, là. Voilà. Là, ils sont là dans le coin, ils vont derrière. Et derrière la tablette, il y a un endroit qu'on peut caresser délicatement. Voilà, mais je n'ai plus l'habitude de caresser l'arrière de ma tablette, j'avouerai. C'est ça. Donc, mais ça, c'est de la faute de Wacom qui a changé ça pour un espèce de petit pad qui doit se coller sur la Wacom, qui ne tient jamais d'ailleurs, parce que moi, ma Wacom est très inclinée. Ah oui, elle est de toi, tu la mets en verticale. Ouais, elle est vraiment verticale. Donc en fait, elle tient très mal. Donc heureusement qu'on t'a gardé en disant on veut voir ta tête sur la caméra. Ouais. C'est sinon on t'aurait pas vu et on aurait tout fait tomber. Ouais, mais bon, ça va le faire alors. Alors, est-ce que je continue tadatin. Et sinon, il y a David qui dit marrant de constater que depuis le temps que tu es expat, tu n'as pas du tout chopé l'accent québécois. Ouais, mais je chope pas les accents. C'est s'il y a un truc que j'ai pas, c'est la maladie de l'accent. Il y a des façons de parler à la limite, tu vois, mais c'est tout. C'est les accents, je les chope pas, c'est tout. Mais quelques-uns disent ah, vous avez l'accent, machin. C'est pas vrai. En fait, on a des petites des expressions. Des expressions qui reviennent. Voilà. Tu vois, je veux dire, quand tu m'as salué tout à l'heure en disant bon matin. Ouais, non, ça c'était du foutage de gueule parce que j'ai horreur de cette expression-là en plus. J'espère qu'on n'a pas trop. Oh, tiens, petite question dans le chat pour tous ceux qui sont avec nous. Est-ce qu'on a des Québécois dans le chat? J'espère qu'on a des Québécois quand même. Dites-moi d'où vous venez les uns les autres, de quelle région de France. Ah, dis donc, il y a Elian Blackmore qui est là aussi. Ouais, il n'est pas Québécois, lui. Ah non, il n'est pas très Québécois, non, pas trop. Salut Elian. Hop. Il y a des gens qui flattent les chauves. Il y a des gens qui flattent les chauves, ça. Ouais, ouais, il y a Cassis qui est trop fier qui dit vive les chauves. Ah, ouais, chacun son truc, why not? C'est ça. Bon, il y a quand même des petits problèmes, la tablette. Hein. Il y a Guillaume qui est très frustré qu'il n'y ait pas d'astuce pour ceux qui ne seront pas à Yamag. Oh, ah. On peut trouver une solution pour ceux qui ne sont pas à Yamag, pour ceux qui aimeraient être à Yamag. Mais il va falloir qu'on trouve des gens qui sont vraiment dispo sur Paris et qui ne savent pas quoi faire pour les prochains jours. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui s'ennuient en ce moment et qui aimeraient bien venir? Voilà, rien.
Oh, il va l'air d'avoir des gens qui sont venus. Ouais, si, si, mais ils vont Super. arriver dans 30 secondes en Ouais, fait. okay. Ah Parce oui, qu'on c'est vrai. je leur Okay. pose une question à la fois. Bon, il y a quand même un truc qui s'est passé sur nos brushes qui est assez étrange. Ouais. Elle vient de changer ses prefs et le petit bidule là m'a lâché naturellement. C'est pas dans le jitter, c'est ça le jitter. Non, c'est pas celui-là. Elle doit faire C'est quoi ta étrange. brosse? C'est dans le dynamique alors. Non, en fait, c'est lui qui s'est réduit d'un coup. C'est pas le spacing, c'est. Parce que c'est sur la Voilà, deuxième brosse, c'est ouais, lui. la size de la deuxième brosse. Ouais, je pense que c'est lui. Il m'a lâché. Je sais pas, j'ai dû faire une manip à la con. Et il m'a lâché. C'est ma faute, hein, j'aurais jamais dû te mettre sur cet ordinateur, t'aurais dû embarquer en plus une machine Oui, non, dans mais ta c'est valise. vrai. C'est ouais. On devrait toujours avoir un J'attends ordinateur dans juste son sac à qu'Apple dos. m'offre un petit truc, tu vois. Et puis, C'est ça. je peux attendre longtemps. Ouais, Bon, ça très dépend, faut longtemps. bien les motiver, c'est pas. Super bien les motiver, alors. Parce Ils que. savent pas très bien faire. Ouais. Alors on a des gens qui viennent du Maroc, on a des gens qui viennent du Sénégal, d'Armorique, de région parisienne, de Lyon, des gens qui sont dispo mais on ne sait pas d'où ils viennent et qui ont des cheveux. On a des gens qui viennent de Nantes, des gens qui sont parisiens et qui s'ennuient, ça tombe bien. Il y a des gens qui ont déjà une petite entrée parce que on donne régulièrement des masterclass et des sessions Ask Pro donc sur la même chaîne. Hein, je vous ai donné le lien vers le petit bouton pour vous inscrire et j'ai fait gagner lundi mardi j'ai fait gagner une place visiteur pour le IAMAG. Donc t'es pas Cool. encore sur une grosse session IAMAG, vous allez voir, on continue. Là je profite d'avoir Jean-Baptiste qui est vraiment là spécialement pour ça. Ouais. Ça m'a permis d'ailleurs du coup je vais essayer de vous retrouver la session qu'on a donnée mardi c'est une session qu'on a fait exprès sur la photo. Sur le dessin, pardon. Et j'ai présenté en fait les outils de dessin plutôt à partir de tablettes. Donc si ça peut vous intéresser, voilà, je vais vous repartager ça dans quelques minutes. Hop. Check. Si je retrouve le petit lien pour partager. Ah, ils nous ont rajouté des tas de trucs là-dessus. Hop. Marche. Voilà. Tenter ça un peu. Chercher Donc là, c'est début. rigolo parce que quand on reprend vraiment toutes les étapes de ton dessin, on était sur quelque chose de très rose au départ, et tu rajoutes le fameux bleu-violet Ouais, que t'as ça c'est pour les rajouté, un peu ombres. de jaune, un petit peu d'un. Je vais Et vraiment refaire mes ombres et puis en fait je vais revenir avec un peu de. Mais je sais, là c'est un peu gros, n'importe quoi. Surtout que je crée un calque à 33%, je travaille dessus alors que je viens de censément en créer un. Je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas. J'appuie pourtant, ouais, j'appuie pas assez, c'est pour ça. Alors, il y a Ahmet qui dit, mais pourquoi vous avez colorié le doigt en partie inférieure de la barbe? Très bonne. Ça alors. Ah oui, oh c'est horrible, tiens, Les voilà. gens qui débordent, bravo. Ouais, c'est vrai, c'est du gros n'importe quoi. C'est juste que comme la barbe, pour l'instant, je sais même pas ce que je vais en faire, donc c'est. Alors, il y a Yvan de Toulon qui nous dit, mais quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui se lance dans le digital? Penses-tu qu'aujourd'hui, nous pouvons encore nous faire une place dans ce monde de talentueux artistes? Oui, bon, il y a de la place. Après, se lancer dans le digital, ben, il faut aussi. Je dirais pas qu'il faut faire du traditionnel parce que tu peux directement aller dans le digital, mais ça dépend juste de ce que tu veux faire dans le digital. C'est bien de. Le digital, on peut faire plein de trucs, c'est pas juste. Ouais, c'est alors si c'est de Si c'est de l'illustration, si c'est. l'illustration, si c'est du concept, c'est pas la même façon de le travailler non plus. Est-ce qu'il veut travailler en caractère designer? Est-ce qu'il veut, je sais pas moi, être illustrateur pour la publicité? C'est pas la même chose, tu vois, Ouais, puis il y a toujours de toute façon C'est une. tellement variable que. Mais il y a toujours une place, il y a toujours des places, autrement. Tu vois des sites comme ArtStation, tu vois le nombre de gens qu'il y a effectivement, mais combien vont réellement en faire leur métier? C'est pas vrai non plus, tu vois, tout le monde fait pas son métier de ça. Donc, hop, c'est très joli, comme on dit. Alors, il y a David qui dit qu'à l'école, tu dépassais tout le temps sur tes coloriages. Ah, bah oui, bah, il doit s'en rappeler. Et Vlahakim qui dit, c'est dommage, le shop sur le site de JB Monge n'est que pour le Québec. Après, les frais de port vers l'Europe, ce serait plus cher que l'achat de l'œuvre. Oui, C'est ça, clair. c'est pas de notre faute. Vous Ouais. voyez ça avec Post Canada, malheureusement. C'est atroce. On est dans un pays là-dessus qui est arriéré. Et on va peur de le dire. Post Canada, c'est une horreur.
On a beau avoir, on essaie d'avoir des tarifs, mais pour l'instant, le seul moyen, ça va être d'essayer d'envoyer en fulfillment directement par la France. D'accord. C'est ce qu'on va faire, je pense, pour les prochains. Parce que c'est vrai que c'est. La prochaine impression, de le faire. Ouais, on va vraiment essayer de les faire arriver par carton ici et puis de venir manager pendant une semaine les envois, une semaine ou deux, peut-être même un peu plus que ça. Peut-être un peu plus. Vous allez revenir en France pendant un mois pour. Mais c'est sûr, hein, c'est. Nous, ça nous pénalise énormément. Mais Post-Canada s'en fiche un peu. Ça dépend d'où tu envoies dans le monde, effectivement, mais sachant que déjà pour envoyer au Canada, c'est très cher, donc on n'est pas aidé. Ouais, bah, j'avais suivi un petit peu, je sais pas si tu avais entendu parler de Comme Convenu de Laurel, qui est une fille qui faisait du blog BD, qui est partie vivre dans la Silicon Valley, qui a raconté toutes ses mésaventures dans le monde du jeu vidéo. Et pareil, elle a fait un énorme Kickstarter. Elle a eu je sais plus combien de centaines de bouquins vendus. Et elle a raconté à la fin le nombre de fois où ils avaient ouvert les cartons, emballé les trucs, envoyé. Ouais, non, c'est. Ça a l'air d'être une. C'est juste hallucinant parce qu'en fait, on peut pas s'en rendre compte avant d'en avoir fait un. Mmh. Même si tu dis, ah ouais, je vais en faire un parce que c'est super, il y a beaucoup d'argent à la clé. Détrompez-vous, déjà une grosse partie de l'argent repart dans la fabrication, et puis dans le transport, dans tout ce qu'on va attacher. Dans le temps de. Et le temps, parce que nous, on n'est pas là-dessus, on ne se rémunère pas. C'est, évidemment, on touche sur le bouquin, mais pour tout le temps qu'on passe, on ne se rémunère pas là-dessus. Donc, et c'est énormément de temps, quoi. Nous, notre garage à la maison, on a un entrepôt, et on a un petit garage. Le garage est plein, mais plein à craquer. Plein de bouquins. Donc, c'est plein de livres. Donc, c'est juste hallucinant. Alors, il y a H2B2 qui me dit, mais combien d'heures sur un personnage comme celui-ci? Là, beaucoup, parce que ça va être long. Alors, non, d'habitude, ça dépend, tout est variable. Ça peut être, pour un visage, ça peut être 1-2 heures maximum. Après, c'est mal barré. Comme là, pour le coup, je pense que ça vaut vraiment le coup de passer sur ton Tipeee. Où les gens vont avoir plein de vidéos différentes. Ouais, il y a quand même pas mal de vidéos là-dessus. Qui vont leur permettre justement de retrouver, de comprendre un petit peu quelles sont les méthodes, parce qu'en plus tu commentes au fur et à mesure tout ce que tu dessines. Ouais. Et puis ils voient vraiment comment je travaille. Alors pour l'instant elles sont un peu longues, c'est sûr. Je vais faire aussi des versions raccourcies, parce que tout le monde n'a pas envie d'y rester des heures et des heures. Mais c'est vrai que c'est vraiment, je vais vraiment de A à Z, donc on aura tout dessus. C'est vrai que je suis très partisan du x2 de YouTube. Je sais pas si vous avez vu ce truc, quand tu es sur YouTube, il y a un moment où en bas, tu peux lui demander dans la petite roue orientée, dans les pré-réglages, de mettre la vitesse soit en normal, soit en x2. Enfin, tu peux même ralentir. Si tu trouves que ça va trop vite à un moment, tu peux le ralentir. C'est un message d'ailleurs pour ceux qui nous regardent maintenant. Si vous voulez que Jean-Baptiste dessine deux fois plus vite, voilà, vous pouvez cliquer sur le x2. Ce serait pas mal, c'est vrai. Parce que là, ça n'avance pas, j'avoue. Il y a Ahmed qui demande, est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école des beaux-arts pour faire du digital painting? Bon, alors je dirais, je sais pas où en sont les beaux-arts aujourd'hui, mais à l'époque c'était sûrement pas le cas. Donc, mais non, les beaux-arts, je pense pas que ce soit forcément une bonne idée, mais ça dépend lesquels beaux-arts, puisque tu as les beaux-arts de Lyon qui, je pense, sont quand même assez compétents encore, mais j'ai pu, moi ça fait longtemps que j'ai quitté l'école, donc savoir quelle école il faut aller ou quelle, je pourrais pas vous dire, sérieusement, sincèrement. Je n'en sais rien. Il y a Panda Prod qui dit, mais quel est le meilleur programme pour le dessin? Est-ce que c'est Photoshop ou Illustrator? Est-ce que tu as déjà travaillé sur Illustrator pour les dessins? Ouais, alors j'ai déjà travaillé, je voudrais pas dire de mal Illustrator, mais c'est trop. En fait, moi je préfère Photoshop parce que c'est ma façon de travailler. Je travaille pas en vecteur. Ouais, c'est ça. Si je travaillais les vecteurs ou si je vais travailler quand je fais mes maquettes, je travaille sous Illustrator vraiment pour le texte. Ouais, pour tout ce qui est texte. Ouais, parce que c'est important pour moi d'avoir vraiment. Illustrator. Design aussi. Une design, c'est vraiment pour les maquettes, quoi. Mais Illustrator, ça va être pour refaire mes, comment on va dire, mes lettrines, mes trucs comme ça. Je vais vraiment travailler sous Illustrator. D'ailleurs, je ne le maîtrise pas du tout, Illustrator. Donc ça me prend un temps fou à chaque fois pour réfléchir, pour pouvoir gérer ça. Trouver. Ouais, c'est comment travailler. Du coup, en parallèle, Stéphane répondait. Par contre, il parlait des écoles, il parlait d'Emile Cole, mais surtout, il se disait Illustrator, c'est génial pour les logos, mais pas forcément pensé pour le dessin ou la peinture, même si c'est possible. Je sais pas, moi, je trouve que on fait des trucs assez cool en dessin dedans. Ouais, ben, j'ai jamais, je t'avouerais vraiment là-dessus, j'ai pas dessiné dans Illustrator. Je suis vraiment contenté, moi, de faire du vecteur et puis des trucs comme ça. Donc, je peux pas te dire pour le.
Pour ça, pour ce qui est des écoles et des machins, je sais qu'il y a des bonnes écoles de dessin. Après, il y en a des privées, des pas privées. Ça dépend d'où il habite. Et puis. Il y a David qui dit: le très grand Guillermo del Toro semble beaucoup apprécier ton boulot. Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce qu'une future collaboration est prévue? Alors, ce ne serait déjà pas une collaboration, parce que c'est collaborer, on ne collabore pas avec Guillermo del Toro. Il vous engage, je pense, mais il vous engage sur un projet. Donc, si un projet était dans mes cordes et puis que je puisse faire un peu de concept, je pense que la dernière fois qu'on l'avait vu, ça avait été clair, il aurait eu plaisir à me prendre un travail. Maintenant, il faut que le travail corresponde aussi à ce que je sais faire. Et puis il faut qu'on se trouve. Faudrait qu'il trouve vraiment un intérêt de m'avoir dans l'équipe, si tu veux. C'est pas toujours lui qui décide non plus, hein, sur ses. Sur ces films, il s'occupe déjà de beaucoup de choses. Donc, tu m'étonnes. Il y a VF Design qui dit: mais qu'est-ce qui différencie les différents calques pour une illustration comme tu es en train de la réaliser? Est-ce que c'est par couleur, les ombres, ou Non, est-ce que non, c'est alors complètement là-dessus, aléatoire? ne cherchez pas ça avec moi, parce Ouais. que je suis complètement inorganisé. Donc en fait, je crée mes calques, et puis après, je vais faire ça. Vous allez voir, ça va être très Tu vas faire facile, on un va le faire tout de contrôle suite. commande pour. Voilà, commande 2, et puis on va tout aplatir. Ouais. J'aurais pu aussi faire dans ce cas-là un commande Alt Shift et E Pour pouvoir conserver, pour faire une copie conserver et de faire juste une l'ensemble. copie de l'ensemble. Ouais. Ce qui aurait été malin. Ce qui aurait Mais été je ne l'ai très pas malin, mais fait. tu peux le faire, regarde. Fais Donc un contrôle on va faire un Ctrl contrôle Z et puis on va se mettre sur le dernier calque. Ça c'est super, c'est vraiment un truc que j'ai découvert il y a quand même un petit moment. Ouais, s'il veut bien par contre Si, si, ils sont bons, ils sont me sélectionnés déloguer. là. Ouais, mais je veux qu'il m'en sélectionne qu'un. Pourquoi il me sélectionne tout? J'ai pas besoin qu'il me sélectionne tout. Voilà, mais j'en veux qu'un, je voulais le dernier. Voilà. Je suis difficile. Hein. Donc, on dit commande Alt Shift E. Et là, vous allez voir, pac, il m'aplatit mon dernier calque, et c'est super. Qui permet d'avoir exactement Et la là, même en fait, chose, de vous avez repartir de vraiment. haut et t'as tout Et en fait, exactement. en général, dans ce cas-là, moi, ce que je fais ça. Je vais les. Alors, je cherche juste les contrôles sur Ça va être mon shift pour tablette. les C'est avoir Shift. tous. Voilà, c'est ça. Shift. Hein. Naturellement, ça marche toujours. Voilà. Et majuscule, Et pareil. je me fais un petit dossier avec. Bon, il veut Tout, pas le toujours, faire. toujours shift, De clic quoi? sur le dossier, non? Attends, Shift. c'est parce que t'appuies pas assez fort en fait. Ah ouais, mais je suis pas une brute, moi, sur ma tablette. Elle m'a coûté tellement cher que Bah celle-là, c'est j'y pas la vais tout. tienne. Ouais, bah, je vais quand même pas la briser. D'ailleurs, je n'ai pas les mêmes mines chez moi. Ah, je suis Je mets désolé. la mine avec le petit ressort, moi. Toujours la mine avec le petit ressort. Parce que là, on n'a pas beaucoup de niveau de pression par Tu rapport à veux ça. que C'est j'aille te moins bien. chercher une mine Non, avec non, le non, petit on va pas ressort? s'emmerder, parce que de toute façon, je Oups. suis en train de faire un caca. Donc, Voilà. on appelle ça comme ça. Faut être honnête. Mais c'est pour ça que les trois quarts des gens ne font pas de démo live. Il présente des trucs tout faits déjà, Est-ce c'est que tu bien veux plus présenter facile. d'autres trucs tout faits à côté? Non, non, bah, si ça les amuse de voir ça, moi ça me gêne pas de le faire. Si tu veux, c'est De pas. voir 2 heures de dessin et de. Si vous avez 2 heures de temps, c'est pas grave. C'est juste que comme je suis pas chez moi, je suis sans doute beaucoup moins à l'aise. Et le temps que je trouve les trucs, bah, on aura déjà fini, je pense. Mais... Ouais, parce qu'il y Alors a un. celui-là, je m'en sers jamais. Je me sers juste Lequel? du doigt, moi, mais il veut pas me foutre les trois. C'est bien le doigt hein, qui est en dessous, normalement, dessus. Ah non, il est là, le doigt. Il est beaucoup plus loin, le doigt. Excusez-moi. Puis Et alors, tu te normalement... sers duquel? Du smudge tool, là. Alors, normalement, j'en ai un. Moi, c'est le Smudge Knife, en général. Où il est? Je l'ai Tu vu. devrais agrandir Je l'ai cette vu. fenêtre, tu t'embêterais beaucoup Ouais, moins. je sais, mais je suis... T'es pas à la maison, je sais. Non, c'est un peu le Je te bordel. mets pas dans les meilleures conditions. Non, voilà. On a Petit juste gardé ton Smudge cerveau. Knife. Et puis, ouais, encore, je ne suis pas sûr. Hein. Si, 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 elle est là, ton cerveau est avec nous. Ah oui, Margot, tu veux dire, voilà. C'est ça. Il a bien compris. Hein, Alors, il y a Vincent enfin, Lefebvre qui nous a rejoint, qui était aussi un de nos participants en session et qui dit que c'est parce que c'est un Mac. Mais il est méchant, donc, Vincent. ouais. Mais moi, je ne travaille que sur Mac, par contre. Alors, c'est parce que c'était une vieille habitude. J'avoue qu'aujourd'hui, il y a peut-être moins de raisons. Pop, pop, pop. Et Elian dit que arrête, c'est super bien ce que tu fais. Ah oui, bah, Elian est adorable là-dessus. Mais c'est parce qu'on va le voir bientôt. C'est Il a ça, c'est intérêt à ça. dire quelque chose de sympa parce que ça a mal se passer, entends-moi. Je vois qu'on arrive bientôt, qu'on avance beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je Ouais. vais lancer un truc que j'aurais dû lancer depuis tout à l'heure, Ouais. mais je vais lancer le petit Nightbot. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre bot. Quand vous écrivez des bêtises, il vous corrige, mais il me permet aussi de vous tirer au sort. Donc j'ai envie de voir si vous êtes tous sur le chat.
Et si vous êtes tous sur le chat, on va essayer de se parler et on va essayer peut-être de vous faire venir rencontrer Jean-Baptiste en direct et Stéphane aussi pour ceux qui souhaitaient voir les trucs et astuces de Stéphane, les sessions, etc. Sur Yamag, On parce peut que je regarder. pense que ça peut être cool. On a eu la chance d'avoir Patrice qui nous a proposé quelques places et on va essayer d'être très gentil avec vous. Donc sur le chat, vivez, discutez avec nous et faites-nous signe parce que vous êtes tous présents. Donc tous ceux qui ont envie de tenter leur chance sur le direct, eh bien commencez à réagir, comme ça je vous vois arriver dans la petite fenêtre de giveaway. Ouais, ce chat-là, Guillaume, voilà, exactement, t'as tout à fait compris comment on pouvait intervenir et comment on pouvait gagner une chance de gagner une place. J'essaye de vous faire gagner une place pour Yamag dans pas très longtemps. Et pour être sûr que vous ayez bien compris dans quelle ville a lieu Yamag dans les prochains jours, je vais faire un. Voilà, on va faire un petit tri. Et je vais faire un lancement derrière. Je sais pas s'il va être capable de faire le tirage au sort là-dessus. Vous n'êtes pas encore tous arrivés. Donc dans quelle ville a lieu Yamag? Attention, toutoulou. Ça tourne, ça tourne. Il me prévient que pour l'instant, personne ne se rappelle de l'endroit où on se trouve. Voilà, ouais, tout le monde est C'est là, hein. Alençon, hein, Alençon, Oh là hein, là. ou les bêtises à Cambrai. C'est où C'est pas les bêtises à Cambrai? C'est ça, c'est Ça ça. doit être C'est ça. à Québec. Ouais, à Québec, bah oui. C'est pour ça que le décalage horaire n'était qu'une méchante excuse. Voilà, tout le monde est Ouais. là. Allez, attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Alors, je vous préviens, si c'est Cassis qui gagne, je le tire. Hop, roll it. On relance le giveaway. Et il me semble que nous avons un gagnant. Donc, nous avons un gagnant qui est Monsieur Mathieu Cruz, qui a été tiré au sort. Normalement, Nightbot a dû vous le dire. Tadadin. Bienvenue, Monsieur Mathieu Cruz. Je sais pas si ça va arriver tout de suite, parce que du coup, vous êtes super nombreux, le chat s'emballe. Tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, félicitations à Mathieu Cruz. Ça va vous permettre de nous rejoindre et de venir nous voir pendant les 3 jours de Yamag, parce que oui, c'est un full pass à gagner. C'est un full pass à gagner. Ah, c'est cool. 3 jours avec nous, 3 jours sur place. Alors, il y a Christelle qui voulait pas vraiment gagner, qui est persuadée que c'était à Cambrai. Ça s'est raté. Donc, Mathieu, il faut qu'on se parle, il faut qu'on arrive à échanger ensemble. Je vais vous proposer de passer sur mon Behance, voilà. Behance.net/fr32c. Check. Mathieu, vous Hop cliquez là. sur l'URL que je viens de vous mettre là. Et puis on va pouvoir se parler. J'espère que Mathieu, vous êtes sur Paris, parce que sinon c'est un peu Ah oui, gâché c'est un pour tous peu les gâché. autres. Qui vont être mais tellement tellement déçus. Ah, il y a David Church qui est super déçu. Il y a toujours un super déçu. Et en plus Mathieu trouve qu'il y a tellement de conférences qui l'intéressent, mais vous n'êtes pas le seul. Je pense qu'il y a des tonnes de gens qui sont très intéressés. Et là on va voir l'audience chuter, c'est-à-dire que tous les autres vont se barrer. Vous barrez pas tout de suite parce qu'on sait jamais, non. Ça Mais peut être. par contre, je vais vous mettre le petit lien de la prochaine session parce que cet après-midi, on recommence avec Sylvain Sarraille, Toda, qui va nous faire aussi de l'illustration en live, qui va nous parler surtout de son jeu vidéo qui s'appelle Forest of Liars, qui commence à se mettre en place et ça va nous faire une très très belle session. Hop. Vous mets le lien de la session de masterclass avec Sylvain. Masterclass à 14h30 avec Sylvain Sarraille. Check. Voilà, j'ai réussi à vous mettre un lien en entier sans trop me planter. Nanana. Qui est au Québec? Ah non, hein. Ah non. Non, non, il n'y a plus personne du Québec là, c'est tout.
on a éjecté les Québécois, on m'a fait plein de blagues au départ, ils sont Ouais, tous partis. ouais. Et puis j'ai pas été sympa, j'avoue. Et ça l'a dit que Sylvain est un mec sympa en plus. Alors Sylvain, d'ailleurs, si je ne sais pas comment je vais faire pour retrouver ça, il a participé à une petite émission radio Exquise Esquisse, je crois que c'était le nom de l'émission qui a été diffusée par Alexandre Soubrier sur la chaîne du Remix Coworking. Il faut que je vous retrouve le lien de ça parce que c'est vrai que c'était assez chouette. Et ça vous permettra de l'avoir juste en audio. Et cet après-midi, on l'aura en vidéo aussi. Merci Stéphane pour le petit lien. Monsieur CKC ne connaissait pas du tout. Bah, c'est plutôt bien de découvrir des choses, non? Pendant ce temps-là, notre Bah, de petit temps troll en temps. est en train de continuer de repriser ses chaussettes. Ouais. Et puis il avance pas beaucoup, mais C'est Father Mackenzie. bon. Attention, il y a de la référence et de la musique. Hop. Pas bien vite. Alors, un petit brush. Par contre, ouais, vous avez vraiment changé le système pour les brushes. Ouais, et toi t'aimes moins. Bah, je Alors vois rien. après, ce que tu peux faire, c'est que tu peux Mais lui demander de les avoir en plus grand, en plus large. Tu peux te ouais, c'est mettre plus vrai, de mais on place, n'a hein. pas le temps d'aller. On n'a pas le temps, bien sûr qu'on a Non. le temps. Oh, déjà, voilà. Je me sers juste de ça. Souvent, je suis très. Jusque-là, j'en ai vraiment amené beaucoup. J'aurais dû faire le tri avant, comme on dit. Elle aurait dû faire ci, elle aurait dû faire ça. Alors il y a Christophe M qui dit qu'il n'y a pas qu'un seul déçu, hein. Pour tous ceux qui sont un peu déçus sur ça, n'hésitez pas à revenir. Meatballs Yamag. Ah, Pizza Break pour Yamag. Ça veut dire que Patrice est toujours vivant. Patrice doit s'inquiéter en fait. Il regarde si ses speakers vont bien, si ses Ah, speakers sont bien nourris régulièrement. c'est bien. Elian parle de ce Forest of Liars qui est à suivre, ouais, tout à fait. Salah Monsieur dit que Marine. Monsieur Monge ne va pas manger tant que c'est pas fini. Ouais, bon, ça c'est pas grave, mais. On va s'arrêter au visage dans ce cas-là, parce que moi je commence à Ouais, avoir parce que les lui crocs il va avoir aussi. les dents. Donc, C'est ça, hein. c'est juste que j'arrive même pas. Il bouge. Alors je sais pas si c'est parce qu'il manque un peu de mémoire, peut-être. Normalement, il manque pas trop de mémoire, cet ordi, mais ceci dit, il est en Ouais. train de diffuser sur trois écrans en Voilà, même ouais, temps. je pense qu'il y a peut-être un peu de ça, ce qui fait que tout ce que je fais, j'ai l'impression de le faire comme un. De le Tu vois? faire au ralenti. Voilà, tu vois? Ah oui, Tac, c'est vrai, tac, effectivement, tac, il est tac, bien tac. saccadé. J'étais pas du tout en train de regarder ton écran, tu vois. Non, je sais, mais moi je me suis dit, bon, après On je suis discute, super on est poli, tu bien et vois, tout. donc je vais pas dire Non, mais je vais que je changer de fais une machine, t'as merde raison. parce que c'est un peu lent, C'est ça. mais c'est un peu lent. C'est important d'avoir des bonnes excuses. Il y a David qui demande Ouais. quand est-ce qu'on arrête. Enfin, qui dit surtout, la masterclass a lieu jusque quelle heure, mais je pense que. Et Maxime Shield, ah bah tiens, que j'avais vu sur Yamag l'an passé, qui nous dit qu'on va avoir une superbe journée en Non, et perspective. c'est vrai que c'est très très lent. Alors je me demande si on n'aurait pas quand même intérêt à aller voir un truc et puis à en discuter parce que c'est tu vois, le temps que je fasse un truc, le temps qu'ils se mettent en. Ouais, C'est. qui se mettent en place, c'est super bizarre, hein. Parce C'est qu'il va, il va, Word. il va bien d'habitude ce Photoshop, hein, je vous Ouais, jure. bah pas avec moi. C'est Alors. ça, il est fâché. Ouais, il est vraiment fâché. Tu vois, là ça devient plus galère qu'autre chose. C'est tac, tac, tac. C'est donc on peut aussi aller voir un que j'ai fait, qu'on a commenté, ça peut être pas mal, parce que là j'ai l'impression qu'il ne veut même plus marcher. Ah zut. La technique, hein, c'est toujours un problème la technique. Mais c'est toujours non seulement un problème, mais toujours une excellente excuse pour tous les trucs. Ouais, Mais ça c'est et sûr. honnêtement, c'est chouette. Ouais, mais Oui, c'est qu'un début, c'est vrai mais qu'après il c'est qu'un début. Mais faut ajouter des tas de trucs là-dessus. si dans ton environnement de travail, à toi, il faut 2 heures pour un visage, et que là, je t'ai donné 1 heure et demie dans un environnement complètement foutraque avec un stylet qui n'est pas adapté à toi, je pense qu'on est plutôt pas mal. Est-ce que Non, bah c'est ça sympa. dit Moi, que pour une base de travail, c'est très bien pour moi. Ça me suffit. on va faire un truc que t'as pas C'est. fait depuis super longtemps, regarde. Ouais. Pomme S. Purger. Ah oui, sauver. Oh Ah oui. Oh, bah alors là, c'est un ouais. de mes gros défauts. Ah ouais. C'est je ne sauve pas, et puis tout d'un coup, ça Et plante. tout Et d'un puis coup j'ai ça oublié que plante, c'était mais Photoshop pour qu'il me le. c'est ça, pour Voilà. l'instant ça a pas planté, on est Non. plutôt pas mal.
À la maison, ce serait quoi? Ce serait renverser tout le pot d'aquarelle Oh, sur le je dessin me ou suis même pas? calmé. Il fut un temps où je pense que j'aurais viré l'ordinateur de la pièce. Mais je ne le fais plus parce que ça coûte trop cher. Donc dans ce cas-là, ben, je m'énerve beaucoup. Je sauve. De temps en temps, je fais des screenshots à la maison. Au moins, si je ne pense pas à sauvegarder, je fais un Ouais, screenshot. au moins Tu vois? tu te Et rappelles que tu as fait puis, un truc. en général, quand même, je sauvegarde à chaque fois que je retravaille sur un truc. Je sauvegarde une nouvelle version ou un truc comme ça. Comme ça, on est vraiment peinard. Et Donc c'est. du coup, si on se regardait une petite vidéo aussi de ce que tu avais monté pour Ouais, terminer on peut voir en Signal douceur. Express par exemple qui était Non, mais c'est marrante. vrai qu'il est super lent. Je sais pas Ouais, ce il est qui est en super train lent. de lui manger du C'est. cerveau. Il est à 200% de GP. Oh, waouh, c'est super. C'est le external display qui prend autant C'est ça? C'est mon disque? Non, l'external display. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Non, parce que je Waouh. comprenais pas, parce que même dans un environnement où t'es pas habitué, c'est pas normal qu'il réponde aussi Il peu. y a un kernel task à 500%. Ouais. Celui-là, je sais pas d'où il vient. Bon, vous Mais comprendrez, grave. hein, ce n'est donc pas de ma faute. C'est pas de sa J'ai une faute. excellente excuse pour J'ai avoir un été aussi énorme lent. kernel task à 500%. Je sais pas qui c'est, mais ça fait peur. Hein. Voilà. Allez, on va Ouais. arrêter là. On va arrêter là pour le zoom qui fait très peur. Qu'est-ce qu'on regarde comme petite vidéo? On peut faire un Snell Express, c'était j'avais gagné la Art Station avec ça un concours, c'était assez marrant. Le complete Donc le movie. Complete Movie, Hop. plutôt vers la fin, parce que j'espère que. Je sais pas si on va arriver jusqu'à la fin. Non, ok. Non, on verra pas tout, parce que c'est. Ah, il est accéléré celui-là. Ah, il est accéléré. Oh, bien. Donc ça, raconte-nous un petit peu. T'avais gagné un Bah ça concours c'est marrant, Art en fait Station? c'est un des premiers concours qu'ils ont fait sur Art Station qui était sur les. Je me rappelle plus d'ailleurs le thème. Mais en tout cas ça tombait bien, c'était un thème qui moi m'était assez familier, c'était le C'était voyage, sur le ouais. voyage. Ah ben Ouais. c'est du voyage tranquille du Et coup, donc, hein. ouais, bon, Ado c'est ma d'escargot. façon de voyager. Mais donc ils avaient pas mal de trucs, il y avait le voyage dans le chara-design, il y avait le voyage dans le concept, enfin il y avait plein de trucs différents. Et je me suis amusé avec ça. D'accord. Ce qui était sympa vraiment là, c'est qu'à ce moment-là, on était pas mal sur une petite communauté, Art Station, qui démarrait. Enfin, qui démarrait, elle avait bien démarré, mais en tout cas, elle n'avait pas ses concours et ses trucs comme elle a maintenant. Et on n'était pas une bande d'amis parce qu'on ne se connaissait pas forcément, mais en tout cas, on communiquait pas mal. Donc, on montrait un peu ce que faisait chacun, à chaque étape. Donc, c'était vraiment rigolo. Et puis, j'ai terminé ça en quelques jours. Ça a été plus long que prévu parce que j'ai fait chaque session. Pour pouvoir les filmer, parce que je m'étais dit, ben oui, c'est bien de le Il faire, faut que mais tu puisses partager un petit maintenant il peu, faut qu'on que je voit. puisse les Hein. partager. Donc alors après, c'est très chouette quand tu vois, tu travailles là-dessus et puis tu vas filmer pendant 1 heure le petit champignon. Donc c'est pas. Alors attends, moi je peux aller plus vite, c'est ça l'avantage. Ouais. Hop. Ah oui, du coup on a l'image en entier avec plus de choses quand même. Ouais. Mais c'était vraiment marrant. Voilà, bon, j'utilise des tas de filtres, des tas de Alors, machins pour la fin. ouais, le fameux divide dont tu me parlais, toi tu t'en sers pour rajouter une couleur. Ouais, en fait, Divide, comme il enlève la couleur qui est en dessous, là, je ne sais pas si c'est complémentaire qu'on peut dire ça dans Photoshop, mais par exemple, si je mets un rond bleu, il va m'enlever tout le jaune qui est en dessous. D'accord. Donc ça fait des effets assez marrants. Donc, en gros, si là je mettais, tu vois, un petit truc jaune comme ça, là, comme celui qui est au milieu, le layer Ouais. 200 et quelques, Là, celui cet qu'on vient, endroit-là, ouais. ouais. Et ben celui-là va supprimer toute la couleur bleue qui est en dessous, en fait. Donc ça donne des trucs assez rigolos. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit ici? Oula, il y a des gens qui se sont fait kicker par le Nightbot. Ok. On voit comment tu bosses, c'est le principal. Le chat lag aussi. Franck parle de pizza depuis ce matin. Oui, Il y en effectivement. a un qui a très faim, je pense. C'est beau le fond d'écran québécois. Bon, après Photoshop, c'est très bien. Faire des sauvegardes en cache, tout à fait. Mais par contre, pour qu'ils réussissent les sauvegardes en cache, une astuce, il faut avoir au moins sauvegardé une fois le document, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me Ok. semble qu'il faut au moins le sauvegarder une fois pour être sûr de le Ah ben alors retrouver. c'est peut-être pour ça que quelquefois il m'a rien sauvegardé du Ouais, tout. c'est ça, c'est ça. Parce que maintenant on n'arrive L'ordi pas. à faim, le voyage psychédélique. Voilà. Stéphane nous refait un best-of de tous les liens qu'il a posés tout à l'heure. Donc pour les gens qui suivent le replay du chat, vous pourrez retrouver ça. Et puis ben, je pense qu'on est bien sur ce petit escargot. Qu'est-ce qu'on a encore à raconter aux gens? On leur a donné le lien de ton chat Ouais, de on a fait Patreon pas comme ça ils mal peuvent te déjà. retrouver.
Après ça, non, ben, on est en train de travailler avec Margot sur les prochaines choses. Donc moi, je fais pas mal de petites illustrations comme ça, à thème toujours animaux, Et gobelins, fées, animaux. il y a déjà des choses qui sont visibles quelque part en ligne ou pas encore? Ben, en Sur les général, sur prochains. la boutique de Margot, donc la boutique Etsy, on fait tout en poster. Tout ce que je fais est en poster, on le met en poster. Donc en fait, les dernières images vont toutes servir pour un livre. Bon, Donc le livre ne sera pas ça veut présent dire avant que un petit moment, mais. je retrouve ça quelque part ici. Ouais, dans les liens de la boutique JBM, je pense que Alors, les tu liens de dois la voir boutique boutique My Etsy. Shop, hein. Ouais, My Shop. Ok, on va essayer de retrouver Ouais. ça, hein. Et là, en fait, bah, nous, on a la grosse machine pour faire des posters, Ah. des prints de qualité. C'est du Gicli. Et Et du on coup. fait vraiment à peu près tout ce que je sors. Donc, bah, y a le traditionnel que j'ai fait il y a un petit moment. Et puis, dans les nouveautés, je ne sais pas comment elles sont gérées là, mais dans les Je nouveautés, on sais a pas les comment elles dernières sont images. rangées. Il y a des featured items. Est-ce que comment on reconnaît les dernières et la fameuse série dont Vraiment tu es en pas train trop. de me parler? Mais ils vont apparaître au fur et à mesure, alors je ne sais pas comment. Ouais, ça c'était une des D'accord. dernières. Ah, c'est celle Ça c'est qu'on vraiment. avait vue en haut de la session, je crois, Ça se peut, avec la petite fée sur ouais. Ouais, le colibri. son colibri. Merci. Ça c'est purement digital, tu vois. Alors, j'aurais pas dû lui demander de se Non, connecter à ça c'est Internet. Il a peut-être. l'air Ouais. mais tellement pas d'accord. Tellement pas d'accord. Ça vous avait Bon, plu, hein, le tant qu'il se dernier, passait des c'était la trucs. petite. C'était marrant, c'était la petite belette que j'ai ouverte au début, mais j'ai pas conservé. Ça vient doucement. Ça vient très doucement. Pendant ce temps-là, je vous remets un petit bout d'escargot. Ok, merci. C'est vrai qu'il commence à faire faim, nous dit Max Fiev. Christelle dit quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné dans ta carrière? J'aime Meilleur bien conseil qu'on m'ait donné cette dans ma question. carrière, bah, dis donc, on m'a pas souvent donné de conseils en fait, c'est ça qui est marrant. Pas lâcher le bout peut-être, simplement, pas lâcher le bout. Pas lâcher le Mais bout. ouais, bah, rester dans ce que tu veux faire et ce que tu as vraiment envie de faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est bien d'aller faire d'autres trucs, mais c'est important aussi de travailler sur ce qu'on veut faire avant tout. Tiens, voilà le colibri. Ben bravo, JB, nous dit Cassis, merci. Gros bec à tous. Voilà, merci à tous, merci aux uns et aux autres. Ben merci, félicitations encore à Mathieu, on se parle via le Behance. Un petit message, ça fera plaisir, comme ça je saurai qui vous êtes, je pourrai vous récupérer. Et pensez à ne pas décalquer sur le catalogue de la Redoute pour faire du modèle vivant, dit David. Ouais, ça c'est pas bête aussi, c'est vrai, ça se fait souvent. Mais bon, j'ai dû faire ça moi étant plus jeune pourtant. Mais bon. Bon, bah j'espère qu'on arrivera à tous se retrouver cet après-midi, donc 14h30 avec Sylvain Sarail. Ce sera encore du live. On va revenir, hop, on va se mettre en beaucoup plus grand, parce que j'aime bien qu'on soit en beaucoup plus grand. Voilà. On se retrouve donc à 14h30 tout à l'heure. Tout autre artiste, Sylvain, puisqu'il est beaucoup plus dans le concept art et dans le jeu vidéo. Ouais. Autre manière de bosser, autre Ouais, manière c'est vrai que venir, c'est voilà. pour le concept, c'est vraiment très différent. Voilà. C'est Et ça va être très chouette aussi. Donc merci beaucoup, Ouais, c'était ben vraiment c'était un cool de te plaisir. recevoir. Écoute, c'était très Et sympa. C'est un peu ramé par moment, mais. ouais, mais maintenant on a vu pourquoi il était en train de ramer comme un gros Ouais, con, ça que j'avais pas compris, mais c'est pas ouais. grave. C'est pas grave. C'est pas grave, ça passe, on a Ouais. réussi quand même. Et à cet après-midi, 14h30. Ouais, salut, et puis merci. Et puis pour tous les autres, hein, si jamais vous êtes sur Yamag, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand Adobe, n'hésitez pas à venir nous croiser. Je pense que tu traîneras aussi dans les allées quand Oui, tu seras moi pas en train de je vais regarder les traîner stands. pas mal. On a une petite session à faire le midi et puis il y a d'autres trucs, donc on va traîner derrière. On a des posters, on a des livres, C'est on a bien. pas mal de choses. Je pense qu'on va savoir s'occuper. Allez, Ouais. au revoir. Super, salut.